Transition complètement OP. Voilà, on baisse le son de la musique parce que ouh, c'est trop fort, merde. Hop. Let's go. Comment ça va? Comment tu vas, Athéna? Ça va comment aujourd'hui? Hop, je vais juste mettre ça comme ça, voilà. Et c'est bon, tout est bon. Tout est bon, pour une fois, rien de bug, tout va bien. Donc écoutez, c'est que c'est bon. Tu fais plus 60 secondes. Malheureusement... Non, parce que 60 secondes, il n'y a plus personne dessus en fait. La dernière fois, j'avais fait un live et il n'y avait personne. Et puis même, j'ai vu que le jeu avait perdu en popularité. Du coup, il faut savoir s'adapter, être flexible, tu vois. Il faut savoir s'adapter aux nouvelles trends, etc. Du coup, ben, on joue à Ark et demain, ce sera du Fall Guys. Parce que Fall Guys est un jeu plutôt beaucoup stream qui marche bien en ce moment. Du coup, voilà. Donc 60 secondes, j'y retournerai peut-être un jour que j'aurai envie d'y retourner. Donc voilà. Mais 60 secondes en ce moment, c'est pas le must in have. On va pas se mentir, c'est pas vraiment le meilleur. Voilà. Ok. Ouais, bah oui, c'est dommage, la période de 60 secondes est malheureusement passée. Hein, c'est comme ça. Peut-être qu'elle reviendra, peut-être que, je sais pas, Michou il va faire un record du monde, il va faire un record du monde qui va re-amener de l'attention sur le truc. Je sais que Squeezie a fait un live il y a pas longtemps dessus. Sur 60 secondes, je sais qu'il a réussi du premier coup. Donc ça me conforte dans l'idée que je suis vraiment nul à tous les jeux. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est du Ark. Du coup, voilà. Oui, c'est du Ark. J'ai pas préparé la roue, je vais la préparer. Mais du coup, on va faire tourner la roue pour savoir quel dino on va tame cette fois-ci. Voilà. Merde. Hop. Je sais hop où c'est la roue. La roue, c'est où? C'est ici, ok, voilà. Alors par contre, je commence à avoir chaud. Toute la journée, j'avais froid, j'ai chaud. Comme par hasard. Hop. Je vais préparer... Pourquoi ça met ça, là? C'est chiant. Hop. Directement. Banks. Ta-ta-ta. Ok, je vais envoyer un message à Iliana et je reviens. Ah, vous connaissez? Vous connaissez... tu connais Iliana et tout? Ok. Vas-y, y a pas de problème, y a pas de problème. Bim. Non. Merde, ok, hop, là c'est bon du coup. Non, pourquoi ça se met pas? Pourquoi le truc jeu se met pas? Je suis en mode studio. Voilà. Let's go, du coup. Bam. Et... Bam, voilà. Ok, donc là vous voyez, hop. Donc là on a la petite roue de la chance, voilà. C'est ma meilleure amie depuis 5 ans. Ah ouais, carrément, ah oui, du coup, oui, vous connaissez fortement. Hein. J'ose imaginer. Mais bah, c'est très bien. C'est bien d'avoir des meilleurs potes. Hein. Moi, actuellement, bon. Voilà. Je vais pas dire que je suis un peu seul, mais bon. Voilà. Je ne suis pas seul. Hein. Vous inquiétez, parce que là, je vous vois, vous êtes en mode, oh putain, il est seul, dommage et tout. Mais non, je ne suis pas seul. Hein, que ce soit bien clair. Je fais des lives seuls, forcément, parce que... pas faire des lives avec tout le monde parce que sinon vous allez vous habituer à être avec tout le monde et je veux pas ça. D'ailleurs, tiens, avant de tourner la roue, qu'on va attendre un peu tout le monde, je vais déjà remettre en partage de jeu et je vais vous montrer, regardez, le petit bébé T-Rex, bordel. Je viens d'en faire un autre et voilà. Donc les bébés T-Rex, c'est vraiment tout petit, en plus c'est une énorme tête. Ah oui, j'ai refait quelques spinosaures aussi. Voilà. Mais sinon, ouais, petit bébé T-Rex, il vaut 80, donc il me suit là normalement. Il me suit clairement pas, hein. Ok, il me suit. Ça me fout droit. Il fait le même bruit que les adultes alors qu'il fait 30 cm. On va le mettre avec... avec les autres. Il est où? Il est tellement petit, le pteranodon comparé à lui. il est tout petit, le bordel. Bon, allez, viens là. Il est où? Il est derrière le truc. Ok, il est là. À 20h30, je pars, désolé. Il n'y a pas de souci, hein. Pour deux whack, d'ailleurs. Je veux dire pourquoi, hein, cas où. Voilà, stop-toi là. Il y a une grosse tête, le truc. Hop. Et on va lui... Il a 19 niveaux. On lui améliore full vie parce que vu qu'ils servent à rien, eux. Hop. On va éteindre les torches. Hop. Et hop. Alors, j'ai un peu amélioré la base depuis hier. Voilà. J'ai amélioré la base, bon j'ai juste mis des piliers comme ça, j'ai rajouté quelques étages, et c'est tout, c'est tout. Bon c'est déjà bien. Du coup ce qui fait que la forge maintenant elle prend 3 étages carrément, hop. Voilà, là je suis en train de faire le dernier.
Et du coup, après, la maison sera finie. Bon, en tout cas, la hauteur sera finie. Et du coup, on pourra totalement refaire tout l'intérieur. Je vais voir un autre live de Camélia, si tu connais. Je reviendrai après, peut-être. Camélia, je connais pas du tout. Faudrait que je check. Mais je connais pas du tout. Elle fait quoi? Elle fait du 60 secondes, elle aussi? Merde, c'est quoi ça? Alors lui. Lui, je crois qu'il est pas level up, lui. Il est clairement level up, j'ai rien dit. Les T-Rex. Je crois qu'ils sont pas. Ouais, ils sont pas au niveau, hein. J'ai faim. Je pense que là c'est bien. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien là. Y a rien. Y a rien. Je vérifie parce que parfois ils ont des trucs sur eux que je ne prends pas. Elle fait GTA RP et Fall Guys. Fall Guys, je vais faire demain d'ailleurs. Mais GTA RP, je n'ai pas le jeu. J'ai pas envie d'acheter 30 balles le jeu alors que dans un an il y a GTA 6 qui sort. Je pense que GTA 6, je vais me le prendre et puis. Alors, je sais pas du tout comment ça fonctionne le RP sur des GTA. C'est pour ça que j'ai jamais essayé d'en faire parce que je sais pas comment ça fonctionne. Je crois qu'il faut rejoindre des serveurs Discord et tout. Enfin, c'est un délire. Enfin. Je sais que JL Tommy il en fait d'ailleurs, je regarde. En plus, c'est bien à regarder, mais je sais pas à faire, ça a l'air d'être compliqué un peu. C'est quoi ça? Ah, c'est le Tila Coléo. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il est sur la fenêtre lui maintenant. Ouais, hop. Du coup, je vais vite faire regarder. Où est ma tenue de plongée? Parce que je veux la trouver si jamais on doit aller chercher un dino marin. Tu vois, ce serait cool à voir. Ok, elle est là. Ah oui, merde, attends. Il faut que je la répare parce qu'elle a plus de. Elle a plus d'oxygène. Enfin, il n'y a plus de vie dans la bouteille. Comment tu répares? Faut peut-être allumer en fait, hein, connard. Hop, voilà. Et puis on va faire tourner la roue, hein. Yana, elle me répond pas. Elle te met des remis. Ça fait plaisir. T'inquiète, je connais. Hop. Pourquoi je la mets? Non, je vais pas la mettre. Je vais la laisser là-dedans. Ainsi que tout le reste de l'armure. Merde. Putain! Ok, hop. Je sais pas si j'étais à RP, moi, ça fonctionnerait. Je joue très bien le RP, hein. Parce que je me souviens que. Il y a longtemps, je. Comment je faisais du. C'était pas du GTA, c'était du Minecraft, moi, que j'ai. C'était du Minecraft RP, c'était genre. Il fallait miner des trucs et tout. Bon, j'ai fait 4 jours. Hein? Mais je jouais bien. Parce que j'ai fait 4 jours parce que. Je sais pas, je comprenais pas, je jouais pas. Tout simplement. Mais j'avais fait du Minecraft RP, mais je sais pas si GTA RP c'est pareil ou quoi. GTA, j'y ai joué 2 fois et c'était en faisant des courses de bagnole. Je vais peut-être d'ailleurs faire la campagne avant, je sais pas. Je ne sais point du tout si ça pourrait marcher. Merde, c'est quoi ça? Putain, le truc il est de travers en fait. Ah, mais le truc je l'ai posé comme de la merde. On s'en branle en vrai. Ouais, et bientôt je mettrai le générateur et je ferai des trucs avec des câbles et tout. Et avec ça aussi. En gros, c'est pour avoir de l'électricité dans la baraque. Pour éviter d'être homme de Cro-Magnon plus, tu vois. D'ailleurs, tiens, il faudrait que je fasse cuire de la viande. J'ai pas de viande. J'ai de la viande nulle part en fait. Bon, pas grave. C'est vrai que. Ouais, hop. C'est vrai que le terri, du coup. Ouais, il y a plus de. Qui c'est qui a le bois? C'était pas le terri qui était censé avoir le bois? Ah, c'est lui qui l'a, non? C'est lui, d'accord, ok, c'est lui. J'ai oublié d'éteindre la musique, encore une fois. Hop, hop là. Bon! Ben, je pense qu'on va tourner la roue. Hein? Hop. Non, merde. J'ai failli foirer. Hop, et hop, voilà. Alors, quel dino allons-nous avoir? Oh, c'est encore Timmy de la fortune, hein, le truc. Donc, bon. Qu'allons-nous avoir? Alors, déjà, un dino marin, c'est non. Parce que la dernière fois, le mot Zazor, on connaît, hein. Alors.
Je crois ça, je crois, on l'avait vu avec Evan d'ailleurs, tiens, ça tombe très très bien, parce que regardez, j'étais sur la page du bordel. Je viens de voir qu'en fait c'était un truc de Lost Island. Du coup, il dégage. Alors, c'était où? C'est dans les hôtes, en A. Voilà, lui là. Donc l'Amarganosaurus, là, voilà ça là. Amargasaurus, putain, il est dur à dire son nom. On le supprime, voilà. On refait tourner du coup. Parce que, bah, on a foiré MDR. Ouais, c'est bon, je regardais juste mon retour, voir si c'était bien. Ok, le dino le plus chiant à tame du jeu. Tout simplement. Je sais pas comment le tame. Attends, tiens, on va aller regarder des petites techniques. Petites techniques là, hop. Donc le Quetzal, qui est le dino volant le plus grand du jeu. Hein. Tiens d'ailleurs c'est pas en français. Je sais plus comment tu mets en français. Je croyais qu'il faut que tu fasses un slash fr. Tu fais. Alors tu mets un point fr. Je sais pas. Attends. Si tu mets point fr. Non non mais non. Pas comme ça. Point fr enculé. Pas un point rf. Ça marche? Pas. Alors reviens en arrière. Reviens en arrière. Peut-être mettre le slash fr comme ça. Ok là ça fonctionne. Ok d'accord. Donc faut mettre le slash fr avant, d'accord. Ok, alors. Ok, bon, super. Information de base. Schéma, variante, direct stack. Information de base. De loin, il est loin de croire que le Quetzalcoatlus est l'un des plus grands oiseaux de l'île, tant qu'il ressemble au Pteranodon. Cela peut être dû au fait qu'il fait son nid dans les sommets les plus hauts des montagnes. Ouais, d'accord, bon, super, on s'en fout. Alors, il faut. Oui, combien de flèches? Surtout, ça a combien de flèches? Pour un niveau 30, imaginons. Il faut quand même 23 flèches. On va prendre une quarantaine de flèches au cas où. Et du coup, comment l'avoir? En PVP, viser la crête qui compte. Comme un coup de tête, utiliser surtout de nombreuses tourelles pour l'abattre ou infliger lui de la torpeur avec des flèches tranquillisantes. D'accord, mais c'est bien beau tout ça, mais. Nourriture préférée, on s'en fout. Glitch du 50-50. Stratégie de chaos, tiens. L'apprivoisement du Quetzal déchaîne les passions et a donné lieu à 1000 solutions. La difficulté vient qu'il ne se pose jamais et il est délicat. De trouver le moyen de tirer en l'air. Remarquez que la fleur rare n'a aucun effet sur lui. La fleur rare, c'est pas un truc qui permet d'attirer les dinos, je sais pas. J'en ai plein des fleurs rares, mais je sais pas. Il arrive régulièrement que, quelle qu'elle soit la méthode utilisée, il se téléporte spontanément aux coordonnées 50-50 au centre de la carte. S'il disparaît sous vos yeux, tentez votre chance à ses coordonnées. Redevenu calme, il ne devrait pas être loin. L'inconvénient est que sur la plupart des cartes, la zone centrale est dangereuse et quand le Quetzal s'évanouira, la zone sur laquelle il tombera sera généralement mal fréquentée. Super. Course à pied. Prenez un volant rapide et poursuivez le Quetzal. Mettez un pied à terre dès qu'il s'approche d'un sol élevé, vous permettant de tirer. C'est une méthode adaptée aux débutants, mais laborieuse et potentiellement dangereuse, ne vous donnant pas le temps de contrôler les abords pour vous poser, c'est vrai. Le griffon, la pale tapajera. Montez un tapajera pour repérer un Quetzal. Une fois repéré, montez sur la selle avant et dirigez le tapajera au sifflement. Aller vers tout en pouvant tirer. À deux, c'est plus simple. Le pilote se contente d'offrir des fenêtres de tir aux passagers avant. Ah oui, c'est vrai, mais oui, mais ça, il faut être deux MDR. Argentavis. Avec un Argentavis, prévoyez une selle, un parachute, un grappin. Une fois que le Quetzal repéré, sautez de la selle et saisissez votre Argentavis au grappin pour vous rapprocher du Quetzal. Sifflez, attaquez cette cible, tirez vos tranquillisants au-dessus et sifflez, allez vers avant que votre Argentavis ne frappe le Quetzal, puis recommencez. Quoi? Mais gros, c'est impossible! Quoi? What the fuck? Attends, mais c'est quoi ce bordel? Donc, en gros... Bah, sinon, on le met juste... On peut pas, genre, faire suivre ce dinosaure ou un truc comme ça? Ouais, parce que attaquer cette cible, l'Argentavis, il va plus vite, je pense.
Ah ouais. Tirez votre tranquillisant dessus. À deux, c'est plus simple. Le cavalier saisit le tireur dans les serres et de l'argent à vie et offre des fenêtres de tir. Oui, c'est vrai. En fait, il faut le faire à deux. Oui, il faut le faire à deux, clairement. Seul, on peut décliner la méthode en saisissant dans les deux serres une créature qui afflige de la torpeur comme le pulmonin machin et le pachycéphalosaure, titanoboa. Mettez la créature en attaquer ma cible, arriver près du Quetzal avec une longue vue sifflée, attaquer cette cible et approcher la créature saisie du Quetzal. Le titanoboa infligera de la torpeur. Le titanoboa est celui qui infligera le moins de torpeur et le moins de dégâts. Viendra ensuite le pulmono qui risque de tuer le Quetzal. Et enfin le pachy dont la méthode d'étourdissement est longue. Ah d'accord, oh, putain c'est dur! Le harfang des neiges. Utiliser l'attaque de gel. Ouais mais ça ouais c'est un dio qui est pas Wyvern, on s'en branle. Plateforme de résurrection mobile. Sur arc. Ah c'est vrai, mobile? Oui bien sûr tiens. Cage à Quetzal, il vous faut un Quetzal apprivoisé. Sur la plateforme construisez une boîte 3x3 de mur. Ouais non mais non c'est bon, il faut un Quetzal apprivoisé. Quoi? Mais en gros c'est hyper dur à voir. En fait faudrait qu'on le fasse à deux ça. Faudrait qu'on le fasse à deux. Donc quand tu auras, je sais pas, Maël ou un truc comme ça, on le fera. Mais là, on peut pas le faire. Désolé, on peut pas le faire, donc on va devoir retourner. Parce que ouais, c'est forcément à deux. Après, les techniques du grappin, il faut le faire attaquer, suivre et tout. On n'a pas 6 heures devant nous. Hein. Alors. Ah, le Trodon. Le Trodon, c'est un dino ultra chiant parce qu'il t'endort. Mais peut-être à tame, il est pas aussi chiant, on va voir. Alors, Trodon. Alors. D'accord, bon il est pas très dur à trouver en soi. D'accord. Tempérament, apparence, hein, on s'en fout. Il faut combien de flèches surtout? Non, c'est pas des flèches qu'il faut. Après avant le Trodon possède une mécanique d'apprivoisement passif unique. Au lieu de lui donner de la nourriture depuis votre barre à piles, vous devez lui donner en pâture une de vos créatures apprivoisées. Quoi? Mais c'est trop chiant! Ouais, ah ouais, mais c'est trop chiant en fait! L'affinité d'apprivoisement augmente en gagnant de l'expérience au combat lorsqu'il tue une créature appartenant à votre tribu. Cette affinité augmente 40% plus vite la nuit. On pourrait même augmenter l'affinité de plusieurs troncs en même temps avec un seul apprivoisé, condition. Attends, donc t'es en train de me dire qu'il faut. Il faut donner. Genre, pardon, il faut que je donne, par exemple, mon Parasaur. Genre, mon Parasaur. Ah, il faut que je donne mon Parasaur à un putain de Trodon, mais gros, ils ont méfus ou quoi? Hein, les créatures ne doivent pas être réglées passives et ne doivent pas être montées par le joueur. Les créatures peuvent être inconscientes ou déjà blessées. Par exemple, leur rester un point de santé. Un bébé et un adulte donnent la même quantité d'expérience. On peut utiliser la fléchette de phéromone pour inciter le Trodon à attaquer votre offrande. Donc t'es en train de me dire qu'il faut. Il faut tame des dinos et les donner au Trodon? Mais frérot, mais c'est quoi ce bordel? Alors, sacrifice nécessaire. Pas un gigano, hein. Mais je un dodo, tiens. Il prend pas les dodos! Il prend pas les dodos, sérieux? Attends. Donc pour un niveau 5, il faut que le Spino soit niveau 8 pour le tame. Tu es sérieux? Tu es sérieux là? Faut un T-Rex niveau 25? Mais frérot, mais mégalose, mais quoi? Vous savez quoi? Nique sa mère le Trodon. Oh putain! Mais les gars, c'est le dino le plus chiant à tame du jeu. Il faut lui donner des créatures apprivoisées. Tu sais, moi je croyais qu'il fallait lui donner genre des créatures que t'amènes comme ça.
Mais gros, c'est quoi ce bordel? Oh putain, Iliana, elle va être contente! Iliana va être contente! Araneo, c'est l'araignée, tiens. Mais du coup, attends, je vais quand même vérifier. Quand même vérifier. Mais je normalement, je dois savoir ce qu'il faut. Arc, c'est en pause? Ah non, ce n'est point en pause, en fait. Il était pas en pause de jeu. Alors, Araneo. L'Araenomorphus, ouais, bon, dans les grottes, hein, ça c'est forcément. Espèce. Bon, ça on s'en branle. Moi, je veux surtout voir comment la thème. Donc, combat, on s'en fout du combat. Alors, ah, donc elle préfère la viande avariée. Intervalle d'alimentation. 1 minute 13. Donc je dois attendre 1 minute 13 entre chaque viande, mais bordel. Et temps de timing 12 minutes. Ouais, bon, attends, on va partir du principe qu'elle est niveau 60. 31 minutes de timing. Il faut 28 viandes. Ouais, donc en gros, c'est la viande avariée qu'il faut. Allez, vu que moi je suis en x8, ça doit prendre beaucoup moins de temps, je pense. D'accord, donc. Et je dois mettre une tenue de camouflage. Près du recul, le temps qu'elle se calme et revenait. D'accord. Une tenue de camouflage vous rendra plus discret, de même qu'un répulsif à insectes. Approchez-vous accroupi par derrière et évitez de la toucher. Donc en gros... Alors attends, déjà je vais voir comment on craft un répulsif à insectes. Ça doit être dans le mortier à pilon. Attends, je vais mettre en... Hop. Hop, hop. Donc du coup, il faut que je... craft un répulsif à insectes et... Alors, armure de camouflage, je crois que j'ai déjà en haut. Mais répulsif à insectes, comment tu craftes ça? Ah! Quoi? Carotte, citron, fourrure, narcotique. On va partir sur la tenue de camouflage, hein. Je crois que c'est là-dedans. Ok, alors j'ai le froc, les gants, bottes, tête et armure. Enfin, et plastron, ouais, ok. Ok, d'accord. On va remettre notre armure là-dedans, hop. D'accord. J'ai de la chair putréfiée, j'en ai une. Il m'en faudrait peut-être plus qu'une. Mais t'es sérieux, par contre? Il faut un répulsif à insectes, mais gros, mais what the fuck? Bon, ouais, du coup, on va y aller avec le pteranodon, qui est où? Qui est là-bas. Ok, merde. On lui augmente l'endurance, lui, hop. On fait ta petite danse de merde, là. Ça me gratte le crâne, hein. Alors, à quelle grotte on va? Je regardais sur le wiki, tiens. Alors, il y a une grotte là au... Hein, une grotte... Il y a une grotte dans l'île des carnivores? J'étais même pas au courant. Il y a une grotte là. Il y a une grotte au Redwood. Il y a une grotte là. Cette grotte là, je la connais. Il y a une grotte ici? Sérieux? Je suis là. Bon, en vrai, c'est la plus proche, hein. Bon, on va y aller. Donc il faut que je traverse... Alors je suis là moi, donc il faut que j'aille là. Après je traverse une fois cette rive là, et là ça doit être dans cette zone là. D'accord, bon. Je pense que j'ai compris. Ok. Alors une araignée. Il faut des... Alors dis-moi que c'est pas obligatoire le répulsif à insectes, hein. Quand... L'armure de camouflage c'est suffisant. Elle te voit pas avec l'armure de camouflage. Dis-moi que s'il te plaît c'est ça. Parce que putain. Sinon comment je serais deg. Alors c'est en face. Donc là je dois... Alors attends, donc là j'ai traversé ça. Donc là c'est ici. Là c'est dans cette zone là en gros. Là c'est en face de moi. Elle répond toujours pas, Iliana? Non, toujours les remis. Alors ça doit être ici. Je crois que j'y suis déjà allé, hein. Je suis pas sûr, hein, mais je crois.
Ça doit être dans le dans une zone comme ça là. De toute façon, quand il y a un gros lag, quand il y a un gros lag, c'est que la grotte a chargé, donc c'est que. Ouais, non mais lui, gros, les niveaux sont trop rapides. Calme-toi, ref. Alors, ça doit être dans une zone comme ça là, non? Bon, une grotte, c'est pas spécialement dur à trouver, normalement. Bon. Ah, c'est peut-être dans une. Ah, c'est là, je crois. Non? Oh putain, j'ai cru que c'était là. C'est pas là. Peut-être un peu encore au-dessus. Alors, c'est pas sur le côté là? Bon. Bon, sinon. J'ai cru qu'il y avait un truc électrique. Sinon, on ira à une autre grotte, hein. Ah! Ah! Là, ça commence à devenir beaucoup escarpé, là, non? Petite grotte, là. Pas une petite grotte? Putain, y a rien. Y a rien du tout, frérot. Pourtant, je suis bien à la zone voulue, hein, là. Hein. À mon avis, elle doit être là, mais très, très, très bien cachée. Puis vu qu'il fait noir, en plus, tu vois rien. Alors, c'est pas là? Là, c'est ça commence à. Ouh, attends. Non, j'ai cru que c'était là. Non, c'est toujours pas là. Je suis bloqué. Je suis clairement bloqué. Ok. Alors là, y a rien. D'ailleurs, je mange McDo aujourd'hui, voilà. Bon, si ça met le seum à certaines personnes. Ah! Ça sent la grotte là. Ok, elle est là, ok. C'est bon. Grotte trouvée. Toi, tu ne bouges pas. J'aurais peut-être dû. C'est quoi ce W? D'accord. Alors, je vais mettre de la nourriture dans ma dernière barre. Du coup, merde. Hop. Ah, je suis lourd, putain, j'ai des murs. Je vais sortir l'épée, hein. Parce que putain, ça. Ça a pas l'air très accueillant ici. Y a rien. Je crois que je suis déjà venu dans cette grotte. Ah, mais oui, j'y suis clairement déjà venu en fait. C'était pas la grotte où il y avait des espèces de gros lézards dégueulasses? Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, ok, c'est cette grotte-là. Ok, il y avait des gros lézards dans cette grotte-là, il me semble. Là en face, il y a des lézards. Je suis sûr qu'il y a des lézards en face. Là, sous le sol, non. J'avance petit par petit parce que. On sait jamais qu'il y a des lézards ou des. Des dinosaures de merde, tu vois. Bon, a priori, il n'y a pas grand-chose. Alors, ouais, ok, c'est cette grotte-là, d'accord. Ok, what? Ah, oh, c'est une sortie de grotte? Une sortie de grotte? Ou c'est une grotte. Oh! Merde. Putain, je suis trop con. J'ai pas vu qu'il y avait une araignée. Elle faisait aucun bruit, frérot. Attends, je vais m'accroupir. Je vais mettre la. Merde, mais putain! Pourquoi je mange la viande? Peut-être pas, je vais y aller à main nue. Elle me suit plus là, hein. On est d'accord. On va dire qu'elle me suit plus. Donc là, on va tamer l'araignée, mon frère. Elle est où? Elle a dépop carrément la machine. Ça va, comment ça va, Eliana? Comment ça va? Il y a Athéna, il y a ta meilleure copine qu'elle me dit en plus. Je savais pas que vous vous connaissiez, tu m'as jamais dit. Mais du coup, bah voilà. Ok, et niveau combien d'ailleurs? Tiens, tant qu'on peut regarder. Tiens, il y en a en plus, tu vas être contente. Ah, oh, c'est un mâle, tu veux peut-être une femelle, non? Y a pas une femelle? Oh, bah tiens, il y a une femelle juste là. Ouais, niveau 16 par contre. Bon. Bon, au pire, on va peut-être essayer de tame les deux. Ça pourrait être drôle. Alors, est-ce que je peux m'allonger carrément? Je vais m'allonger, tu sais quoi?
Allez. Oh, ok, en deux viandes, c'est bon! Oh là là! Tu vas tame l'araignée, ouais. Je suis tombé dessus sur la roue en plus. T'as la chance parce que je suis tombé sur Quetzal en premier. Le Quetzal, faut être deux pour le tame, donc je pouvais pas. Le Trodon. Alors je t'explique un peu la méthode de taming du bordel. Il faut que tu lui donnes un de tes dinos à bouffer. Mais vivant, hein, pas en le tuant, il faut que tu lui donnes ton dino. Donc impossible. Et bah après je suis tombé sur l'araignée du coup. Je me suis dit, oh putain, Iliana, ça va lui faire plaisir. Est-ce qu'on va tame les deux? Parce qu'ils sont en couple. On va pas défaire un couple tout de même. Alors, il peut reprendre de la viande là ou pas? Non, il faut qu'il ait refaim. Est-ce que vous pensez que je peux aller à la femelle là? Alors, si je passe comme ça le long du mur. Je pense qu'en vrai, c'est faisable en vrai. Regarde. Attends. T'es pas moi ça. Comment elle me voit pas l'araignée? Ok. Oh, merde, merde. Putain. Non! Vous avez été anesthésié. What? En plus, elle tape trop vite. Je suis ralenti, je suis ralenti. Je vais sortir l'épée au cas où. Je me barre, je me barre, je me barre. Je sais pas ce qu'il y a au fond là-haut. Hein. Alors, je vais m'allonger. Ok, c'est bon. Oh putain! Oh, fais chier! Oh! Mais gros, c'est quoi ce bordel? Putain, fais chier! Mais gros, mais c'est quoi ça? Je me casse! Je me casse! Je me casse, c'est décidé. Ils me suivent encore? Oh! Attends, je me barre, je me barre. J'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. J'ai une idée, les gars. J'ai une idée. Ok, ça va aller. Ça va pas aller du tout. Dis-moi que personne ne vient. Personne ne vient. S'il te plaît, personne ne vient. Personne ne vient. Ok. Oh putain, la chance. Oh là là. Il y a d'autres couleurs d'araignées. Bah oui, et puis quoi encore? Tu fais ta petite course aussi? Je vais time la première que je vois et puis tu vas te contenter de ça. T'as vu comment je risque ma life ou quoi? Le camouflage de qualité. Oui, bah il a mis juste des feuilles sur lui, le ref. Hein. Ok, c'est bon. Ok. Putain, j'ai presque plus d'eau. Oh, j'ai de l'eau dans ma jarre. Putain. Bon. Alors. Où sont les araignées? Ok, il y a une araignée là-haut. On l'a vue. Elle est juste pas là. Elle est où? Je te jure, j'en ai vu une en face de nous. Ok, donc là, il y a une autre araignée là-haut. Comme on peut le voir là. Voilà. Bah, c'est celle que j'étais en train d'apprivoiser d'ailleurs. Il n'y avait pas un serpent avec? Mais là, il y a une araignée là-haut, non? Ah ouais, ok. Ah bah, c'est la femelle. Ok, bah, on va aller voir la femelle. Par contre, s'il y a des serpents là, ça pose problème parce que les serpents, eux, que j'ai le camouflage ou pas, ils s'en branlent. Hein. Ok, en plus je suis dos à elle. Il n'y a pas de raison qu'elle me voie. Putain, t'es ma son dard là, il est énorme. Pardon, niveau 100. Il m'a pas vu, hein. Il y avait un mâle niveau 100, les refs. Il y avait un mâle niveau 100. Niveau 100, le truc. Et je vais donner de la viande en plus. Je vais tamer toutes les araignées que je vois. Parce que là-haut, il y a la femelle, là. Mais la femelle. Tu peux pas descendre, genre. What? Mais je vole, là. Tiens, hop. Est-ce que je peux lui donner? Oh non, je croyais que ça allait la tamer du premier coup. Ouais, je suis obligé d'attendre. Par contre, je fly, là. Je fly littéralement, là. Ouais, on va rien dire, t'inquiète, c'est arc. Hein. Bon, je me recule un peu parce que dans l'herbe, je vois rien du tout. Oh, ok, le serpent, il est clairement... Il est là. Ok, ça va aller niveau 16. Ok, je le tue en 3 coups. En 3-4 coups, il est mort. Okay, donc, il y a l'araignée qui est toujours là-haut. Elle est où, la niveau 100?
On va faire une famille, hein, tant qu'on y est. Dans la famille des araignées, je veux le daron niveau 100. Donc là, il y a le daron niveau 40, mais il est où l'autre? Bon, on va attendre un peu, parce que je crois qu'il faut une minute entre chaque viande donnée. Du coup, on va attendre une minute, hein. Hop. Alors, par contre, lui, gros, il est... C'est quoi ce dawa? Merde. Et putain! Bon, quand je vise, y a rien qui se passe. Tiens. Lui, il est là-haut. Bon, on va retenter, là, je pense que ça fait assez de temps qu'on a attendu. Mon casque, je le mets tout le temps mal. Merde, j'ai failli me mute. Vous m'entendez encore là? Xayrod et tout, ils sont pas là. Bah pas encore, a priori, je sais pas. Ah, Maël, il peut pas venir aujourd'hui, il a une soirée. Donc c'est normal qu'il soit pas là. Ok. Alors, on va lui donner ton nom direct, hein. Hop, 2 tirés du bas, 34, voilà. Voilà. Donc voilà. On va essayer de thème l'autre là, parce que là il y en a une autre qui est niveau 100. Oui, on entend. Ouais, parce que j'avais appuyé sur un bouton et je croyais que c'était le bouton de mute, mais non, je sais pas ce que c'était d'ailleurs. Je sais pas ce que c'était. Alors, le serpent, faut faire très attention. Elle me suit là? Oh. Olina, je te trouve. Bon. Je trouve très attirante. Hein. Oh. Comment tu peux avoir envie d'être ça, gros? Tu voulais Spider-Man, et là c'est tout le contraire de Spider-Man. Là c'est. Spider-Man, si c'était drogué au jus d'araignée radioactif, quoi. Ah, tiens, d'ailleurs, elle a gagné un niveau. Vous lui augmenter. Je sais pas. Crie pas, crie pas, on essaie d'être discret là. On essaie d'être discret. Moi, j'ai retrouvé le mec niveau 100 là. Oh, lui, c'est pas tout. Il est pas là? Non, j'ai cru. Je crois qu'il s'est barré, mais vraiment loin. Hein. Arrête, arrête, tu me fais trop peur. Il me voit pas, le serpent. Ok, il me voit clairement. Ok, donc le camouflage, ça marche pas. Non, non, non. C'est quoi cette araignée de merde? Gros, l'araignée. D'accord. Ok, il n'y a aucun problème avec ça. What the fuck? Bon, bah, Eliana, t'auras duré 30 secondes. T'inquiète pas, on va te retrouver. Mais déjà, c'est le serpent, il a vu Iliana, il l'a attaqué, il a pas cherché à comprendre. Donc déjà, gros bâtard, enfin, pour qui tu te prends? De 1. Et de 2, en fait, genre, Iliana, elle s'est mise devant moi. Pour, je sais pas, pour attaquer le truc. Et en fait, j'ai mis un coup d'épée mal placé, je suppose. Et bah, c'était fini pour elle. Il est pas dans le buisson, là? Il est où, en fait, le mâle niveau 100, là, qu'on avait vu? On avait clairement vu un mâle niveau 100, hein. C'était pas des lol. Bon, là, il y a le mec qu'on était en train de thème, là. Bon, on est un peu obligé de thème lui, hein. La ref, tu me vois pas. Hein. Oh, il est là, le mec niveau 100. C'est quoi, c'est un serpent? Me dis pas qu'il y a un serpent, ref. Il n'y a pas l'air d'avoir de serpent. Ah si, en face, là, c'est quoi? Ah, c'est le serpent que j'ai tué. Ok. Faut que je fasse très attention. Je m'enfuis directement. Je peux tenter le mâle ou pas? Enfin, je peux tenter l'autre. Mais au pire, on va déjà apprivoiser elle. Enfin, cette araignée-là. Et après, on prendra l'autre, si jamais on a le temps. Et d'ailleurs, mais oui, je suis con, j'aurais dû le mettre dans le cryopode. J'aurais dû la mettre dans la cryopode directement, Eliana. Avant que sa mort n'arrive. C'est quand même bien dégueulasse, hein, les araignées.
J'ai envie de continuer la grotte. Après, on continuera la grotte. Hein. J'ai envie de continuer. Parce que, bon, en soi, bon, les trucs avec des coups d'épée, ils sont die. Alors, s'il y a que des serpents et des scorpions, en vrai, le plus chiant, ça aurait été. Ça serait. Oh! Bah attends, il y a des. Oh! J'ai une trop bonne idée là! Regardez, on va se faire un truc de survie qu'on appelle ça carrément. Si on va dégager. Non, l'arbalète, faut la garder. L'arbalète, c'est important. Putain, mais tout est important en fait. Bah ça, en limite, on peut jeter parce qu'on en a pas besoin aujourd'hui. Et on va se donner des steamberries. En gros, les steamberries, c'est les baies blanches. C'est grave gros. Oh putain, c'est grave drôle la drogue. La drogue. La grotte. Non. Bah non, c'est pas drôle de fou, non, c'est nul. Oh, t'as vu tous les dinos offensifs qu'il y a? Et des araignées niveau 100 peuvent littéralement me one shot, mais t'inquiète pas. Non, ça va pas du tout, moi j'aime pas du tout ça. Hop, et là en fait tu te mets des steamberries. Alors les steamberries c'est numéro combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc j'appuie sur 7. En gros, quand j'ai. Quand je sens que je vais m'endormir, j'appuie sur 7 et en gros ça me donne des steamberries. Les steamberries ça te réveille. Ça te stimule comme son nom l'indique. Et donc du coup, bah, tu t'endors pas. Comme ça, si jamais l'araignée, elle me met du venin ou le serpent, bah, hop, y a aucun souci. Alors par contre, est-ce que le niveau 100 va m'attaquer quand elle sera tame, elle? Ok. Il se barre? Pas bouger, hein. Pas bouger, ref. Je vais t'aimer ton pote, là, comme ça, t'auras un petit pote avec qui jouer à la marelle. Il m'a pas vu. Il me voit pas, alors. Oh, arrête de bouger comme ça, tu fais trop peur, ref. Je peux pas lui redonner de la truc, là. Comment je suis censé faire là? En fait, je crois qu'il est en aggro sur moi, mais bah attends, au pire viens là toi. Viens là. On va la sortir de la grotte. Déjà, comme ça nous sécure une araignée. On va la sortir de la grotte et ah mais il y a un autre chemin en fait là-bas. Oh, c'est quoi ça là-haut? C'est un scorpion niveau 16. Bon, il est pas tout seul parce qu'apparemment il est en crush. Ça. Ça tombe bien. Non, pas du tout. Ça me suit? Ça me fout droit. Quand il chie, le mec, ça résonne dans la grotte, carrément. Je vais la sortir de la grotte pour la sécure. Tu peux monter dessus, ouais, mais il faut la selle. Mais sinon, ouais, je peux clairement monter dessus. Vas-y, mon ref. Vas-y, ouais. Parce que dans les grottes, il y a ce qu'on appelle des artefacts, et ça se trouve, dans celle-là, il y en a un. Et du coup, ce serait cool de l'avoir, tu vois. Bon, par contre, en vrai, ce qui fait chier, c'est que j'aurais dû faire plus de flèches. En vrai. Bah, quoi, en vrai, je peux les endormir. Et puis, elle est où, l'araignée? Je peux les endormir, et puis après, les tuer à la hache. Enfin, à la hache, à la... Merde, elle s'est bloquée dans le truc. Oh non. Ok, j'ai eu très peur. Je me suis dit, elle est bloquée. Jamais je la débloque. Hein. Vas-y, viens là, ref. Ah, ces petits bruits là d'araignée là. Ces petites pattes qui claquent sur le sol là, qui font des petits. Insupportable. Non, mais ref, mais tombe pas. Elle est retombée, je crois. Mais il faut pas retourner là. Mais pourquoi tu vas là? Elle est addict à ce coin ou quoi? C'est sa drogue ou. Vas-y, ref, voilà. C'est bien. Viens vers là.
Voilà, viens. Il faut venir. Voilà. Là tu viens vers moi, d'accord. Là, il y a aucun problème. C'est ok. Je suis obligé de la regarder en fait pour qu'elle me suive. Merde, non, non, merde. Non, viens ici, voilà. Là, c'est une ligne droite, donc on s'en fout. Et après, c'est la sortie. Vas-y. Oh, elle va vite en vrai pour une araignée. Ah, pire que le scorpion. Ouais, j'avoue que. Mais au moins. Au moins, elle sera pas morte sur le retour. Enfin, en tout cas, pas tout de suite, quoi. Bah, attends, hop. Merde. On va la mettre dans la cryopode, je suis con. On lui fait tout ça pour. Attends, elle a un niveau. Non, non, arrête. Elle a un niveau. On va lui mettre de la vie, hein, pour éviter qu'elle crève. Tiens, du coup, hop, je vais la mettre dans la cryopode. Et après, et après, je vais aller dans la grotte. Ok, vous avez gelé, carrément. Bon. Bon, du coup, là, je suis pas là pour tame des trucs, hein. Moi, je suis là pour la grotte. Bah, après, si on peut éviter de se faire attaquer. En vrai, c'est... Je ne dis pas non. Mais voilà. Toujours être méfiant. On va aller là où il y avait le mâle niveau 100, là, parce qu'on lui, on peut l'esquiver. Que le scorpion, je sais pas si on peut l'esquiver. Bon, ouais, du coup, on sait par là. Regardez, ici, c'est stylé, là. Dommage que tu peux pas te faire de base dans les grottes. Parce que, regarde, ici, c'est stylé de fou, regarde. Hop, il y a un petit trou de... Ah, merde, ça coûte... What the fuck? Mais c'est la fosse de la mort, là-dedans. Attends, je m'accroupis. Oh merde, non, siffle pas, c'est une mauvaise idée. What the fuck? C'est quoi ça? Gros, jamais j'y vais, hein. Même avec une tenue de camouflage puissance 10, une tenue d'invisibilité, jamais j'y vais, gros. Jamais. Alors, il y a... Ah oui. Il m'a pas vu, je crois. Il m'a pas vu. Tiens, d'ailleurs, on va voir si on peut lui donner de la bouffe, tiens. Mon ref, tu veux de la bouffe? Mais je crois, en fait, il est en aggro sur moi. Hein. Pour l'instant, s'il m'attaque, il est mort. Alors, il sait très bien. Il joue pas avec le feu. Bon, je vais être très lent parce que je marche accroupi. Parce que j'ai... Je tiens à la vie. Alors, c'est quoi, ça? C'est un scorpion. J'ai froid, je vais éteindre la clim, j'ai trop froid. Ah, je suis debout là? Non, non, accroupi. Ah, c'est bon, je suis accroupi en fait. C'est quoi ça là-bas? What? C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Attends, mais je savais pas que c'était qu'il y avait des trucs de science-fiction dans Ark. Je croyais que c'était un jeu de survie, moi. Lui, il va me voir, là, c'est sûr, il me voit. Ouais, vas-y, c'était sûr, gros. Si je m'allonge. Peut-être que je m'allonge, il me verra pas. Ok, je cours. Motherfucker. Ce que j'ai fait, c'était pas malin, hein. Et la vitesse d'enjeu, comment c'est incroyable. Je veux rien savoir. Oh, petit bug de map. Ça me suit pas derrière, hein. Ah mais si, ça me suit. Mais ça me suit de fou, en fait. Oh, c'est quoi ça? Artefact. Artefact du chasseur. Oh. Putain, ça m'a fait trop peur, je me suis dit, il y a un boss, j'ai fait spawner un boss, je suis mort. Oh merde, on vient là! On est obligé de repartir, hein. Là, c'est obligatoire. S'il te plaît, ça m'a pas suivi. De toute façon, en vrai, si ça m'a suivi, j'ai juste à faire un run tout droit et puis c'est bon, ouais. What? Ouais, les grottes, c'est énervé, hein.
Donc là, faut faire attention parce qu'ils étaient en train de me suivre. Hein. Ouais, voilà, ils sont tous là. Bon, dès que j'entends un bruit de... C'est genre comme s'ils m'ont vu. Je trace, mon gars, mais tu m'auras jamais vu courir aussi vite. Mais comment je fais là? C'est techniquement impossible. Ok, je cours. Aïe. Vite, vite, des baies. Run, run, run. Je sais pas, c'est par où. Je sais pas. What the fuck? En fait, je suis revenu au début. Mais c'est quoi ce bordel? Je comprends rien. Aïe, aïe. Je cours, je cours, je cours, je cours. Je sais pas, c'était par où. Oh, je suis endormi, fais chier. Ouais, là, c'est mort. Ouais, là, c'est perdu, les gars, c'est perdu. Ok, bon, ben, je devais récupérer mon stuff. Non? Oh, il me voyait pas! Il me voyait pas! Oh, la chance! Les gars, ils me voyaient pas avec la tenue de camouflage! La chance! Ouais, mais là, mon gars, la torpeur, elle ne fait que monter. Et j'ai pas d'eau. Je vais mourir d'eau, en fait. Là, dès que... Ah, mais la torpeur, elle ne fait que monter, les gars. Elle ne fait que monter. Je pense que je vais crever avant que ma torpeur soit arrivée à zéro, en fait. Ouais, là, gars, ça ne fait que monter, les gars. Mais descends, par contre, la torpeur, je veux bien que tu sois dur et tout, mais il faut descendre à un moment, tu vois, parce que là, c'est... Ouais. Bon, ça va atteindre le haut de l'étoile, voilà. Mais c'est quand que ça descend? Je peux regarder dans mon inventaire? Ah, ok, c'est bon. Ok. Ok, là, la torpeur, elle va descendre, ok. What, les frères? Trop de chance. Mais j'ai trop de chance. Là, par contre, j'ai de la chance, hein. Bon, là, il me laisse une dernière chance pour m'en sortir. Il faut que ce soit moi qui trouve la sortie. Après. Oh, putain. Ah non, mais là, c'est même plus de la chance, là. Oh, quoique, attends, j'ai rien dit. Il me voyait pas, là. C'est peut-être parce que j'ai l'artefact du chasseur, attends. Peut-être, genre, ça protège contre les créatures, un truc comme ça, genre, ça donne un boost et tout. Je pense pas. Oh, c'est quoi ça? Il fait quoi, le ref? Là, en fait, là, je sais pas, en fait, s'il attend que je sois redebout pour partir. Ou si... Je sais pas en fait. Mais en vrai là je vais juste tracer mes grands morts. Mais vous avez vu que même les baies, les Steamberry qui sont censés faire descendre la torpeur, ça n'a même pas marché tellement je me suis pris des coups. C'est quoi ce dawa frère? Bon là du coup je vais bientôt me réveiller, il va falloir que je sprinte, mais que je sprinte comme jamais. Il faut surtout pas que je me trompe de chemin. Surtout pas. Ok, là je vais bientôt me réveiller. Il y a un scorpion. Il y a un scorpion devant moi et un cobra. Alors les cobras c'est les plus dangereux parce que c'est ceux qui infligent le plus de torpeur, hein, vraiment. Ils sont hyper chiants eux. Que je vais me réveiller les gars, je vais me réveiller. Ok, run. Je bois pour éviter de crever. Je sais pas c'est par où, je sais pas c'est par où. Là je cours les gars, je sais pas c'est où. Hein. Ok, c'est là. Ok, j'ai trouvé la sortie, let's go. Vite, 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 vite. Oh oh. Comment il va, le ref? Comment il va? Bon, on va pas se poser la question de il fait quoi. Let's go. Par contre, j'ai failli crever, là. Hein. C'était à une couille près. On va manger pour se... Pour se soigner, quand même. Ouais. Ouais. J'arrive. Ok, bah là, du coup, je vais aller grailler le McDo, mon gars. MDR, ça devient Dark Deception. Ah non, mais là, c'est l'horreur, carrément. Là. Le truc. En vrai, ça m'a fait un peu flipper, hein. Pour être honnête. Enfin, je me suis dit, ça y est, je suis mort. Et en plus, pour récupérer le stuff sans rien. Oula. Le lag, ok. Okay, hop, le pteranodon. Ah mais attends, c'est aussi lourd que ça? J'ai quoi sur moi?
Attends, merde, je me trompe de touche à chaque fois. J'ai quoi sur... Ah oui, j'ai 16 murs. C'est vrai que j'ai 16 murs. L'artefact, il pèse. Alors, attends, quoi? Avec une détermination implacable, le chasseur ne... Quoi? Le chasseur ne se résignera jamais jusqu'à ce qu'il attrape ses proies. Seul l'un d'entre eux peut être transposé à la fois par un organisme. Comment ça? Ah ok, donc en gros, tu peux porter que un artefact. Tu peux porter que un artefact dans ton inventaire. Tu peux pas en porter deux. En gros, tu peux pas enchaîner les grottes et puis les boss, quoi. Tu dois d'abord le ramener. D'accord. On peut le mettre sur nous ou pas? Non. Mais bon, j'ai jeté la viande, hein, parce que du coup, j'ai eu pas mal de viande grâce au kill que j'ai fait. Bon, le titano bois était le seul kill, hein. Ok, c'est bon, il peut bouger. Bon, il est lent, mais il peut bouger. C'est quoi, ça? Ah, petit carno. Alpha, non? Non, il est pas alpha, hein. Bon, de toute façon, s'il était alpha, je me casse. Hop. Ok, ok, ben, ça aura fait... Ça m'aura fait flipper. Ok, donc là, ma maison est par là. Ok, bon, du coup, on aura eu une araignée et... Dans le tas, on aura eu un artefact du chasseur qui sert à invoquer les boss. Alors, est-ce que j'invoquerai les boss? Certainement pas. Hein. surtout que j'ai que un truc, alors qu'il en faut plusieurs. Du coup, voilà. Du coup, c'est mort, j'invoquerai jamais des boss. Hein. Je vais perdre tous mes spinos, tous mes T-Rex, tout. C'est mort. Je préfère, à la limite, tuer un gigano que tuer des putains de boss qui te one-shot. En vrai, les boss, en soi, ils font pas trop de dégâts. Donc, voilà. Ah, c'est la fin. Comment ça, la fin? La fin de Ark? Bah, quand tu fais les boss, oui, c'est la fin de Ark. Hein. Enfin, non, c'est pas la fin de Ark quand tu fais les boss. Quand tu fais les... quand... La fin de Ark, c'est quand tu... C'est quand tu finis la grotte tech. Qui, d'ailleurs, est très très dur, hein. Et si tu parlais de la fin du live, non, c'est pas la fin du live, ça fait même pas une heure, là. Là, je vais aller chercher ma graillance, et puis après, je reviens. Par contre, ça lag, là. Non, genre, tu fais un résumé comme si c'était la fin du live. Non, non, là, je dis juste ce qu'on a fait dans la grotte, quoi. Ok. Du coup... Wow, wow, wow. Pourquoi il saute? Putain, je suis bloqué dans l'huile. Du coup, je le renomme Iliana ou pas? Malgré que c'est un ref. Regarde-moi sa gueule, là. Gros, il a aucune gueule. Regarde-le. Il a même pas 8. Il a même pas 8 œils comme les araignées. Il en a 7. Ouais, du coup, je vais lui faire sa selle et je crève de faim. Bah tiens, je vais manger les baies que j'ai sur moi. Ça fait toujours 7 prix. Et puis on fera sa selle. D'abord, je vais aller prendre mon McDo. Ça, on va l'utiliser pour faire des narcotics. Et il fait du brouillard, ça c'est très chiant. Alors attends, c'est peut-être... ah ok, c'était la luminosité. Du coup on a l'araneo, donc tu veux que je la renomme? Ok, vas-y, hop. Du coup je vais lui réaméliorer sa vie pour pas que l'araignée crève. Comment tu fais déjà? Ok, c'est ça. Hop, c'est deux tirés du bas et... Ah! Hop hop et voilà. Ok, hop, je vais me foutre dans la maison histoire de pas crever d'un truc dehors. Et je vais chercher ma graillance. Hop. Hop. Tac. Et je vais aller chercher mon McDo. Donc, à tout de suite.
Démute-toi, vas-y, si tu veux. Bon, du coup, on sera accompagné de la voix de Evan. Bon, il sera pas sur le jeu parce que il peut pas venir en multi. Mais on sera accompagné de la douce voix d'Evan. Hop. Comment il va? Ouais, salut. Hop. Du coup, il joue à Ark aussi. Du coup, il... Voilà, il comprend. Hop, hop. Et hop. Que je ne l'ai pas sur Steam, du coup je peux pas jouer avec le grand. Ouais. Malheureusement. Bah, il faudrait que tu l'installes d'ailleurs. Enfin, parce que tu l'as obtenu, mais tu l'as pas installé. Mais bon, Ouais, ouais, mais c'est j'ai vrai la que. flemme. Ouais, la Cocteau aussi. Ouais, c'est vrai qu'avec la fibre, c'est plus facile. Tout est Ah plus facile. ouais. C'est vrai que les allosaures, que tu te mords, ils t'infligent un gros saignement Ouais, et tu ouais. peux presque plus bouger. Ouais, bah, ils Là, font ça, les allosaures. je suis en haut d'une montagne et il y en a trois alors. Ouais, Shevan, qu'elle dit, Comme moi Lyon. deux. Wesh. Toujours fidèle au stream, hein, bien sûr. Aïe, bon, ils sont bas level. Ouais, du coup, ouais, je voulais faire Ah, mais c'était la des selle affamés, frère. de Ils bordel sautent là comme de des l'araignée. Mongols du haut de la montagne. Du De coup, quoi là, les je suis en allosaures? train de tamer un petit bronto et je cherchais un spino dans les parages. Un spinosaure? Oh, t'inquiète pas, hein. Moi Ouais. j'en ai. Je pense que j'en ai pas assez, moi en vrai. Genre, ouais, Mais j'en ai moi, j'en peu. trouve pas dans la nature, c'est ça le problème. Oh, what? Regardez les gars ce que j'ai eu. J'ai une potéto, mais bizarre. En plus, j'ai été chercher à J'ai une potéto 3 km le albinos. bronto. Il n'y en avait pas autour de chez toi. Si, mais ils étaient niveau 4, quoi. Lui, il est Ah. niveau 16, c'est un peu mieux. Niveau 16, c'est quand même nul, mais vas-y. Bah, il n'y en a pas plus haut level, en Il tout n'y a cas. pas plus haut level, vraiment. Non. Ah ouais, t'as pas de chance. Je vais passer. Alors la selle. Wesh. Oh, il y a un Procoptodon. C'est la première fois que j'en vois. C'est quoi? C'est un kangourou. Oh! Oh, je le tame. Tous les jours tu manges McDo? Non, non. Non, là c'est pas moi, là c'est ma petite sœur qui a voulu. Je sais pas s'il est Voilà, agressif. c'est pas ma faute là. Alors celle Par d'araignée contre, aussi les ça? scorpions, Ok. laissez-le tranquille. Attends, il faut que j'aille le défendre. Alors il faut chitine et peau. Alors de la peau je dois en Il va avoir tellement là-dedans. vite. Ouais. Ouais, il m'a l'air agressif, le Hop, truc. et chitine j'en ai là. Mais il m'en faut plus. Ok, hop, j'ai assez. On fait la selle d'araignée. Putain, elle est loin à fabriquer, Oh non, putain. il a eu. Ah oui, Il Evan, m'a fait je viens d'aller peur. en grotte. Hein, quoi? Ouais. Il s'est passé quoi? Ah merde, hop. Je viens d'aller en grotte et Putain, j'ai il est obtenu où? artefact du chasseur. Ah ouais. Ouais, dans la grotte. Bah, en vrai, mais je Putain, te jure, mec, par contre, si tu veux aller dans les grottes et choper les trucs, t'améliores juste ta vitesse et tu traces tous les mobs. Tu récupères artefact et tu te barres. Après, faut juste éviter les serpents et les trucs qui peuvent t'endormir parce que j'ai été endormi 2 fois. Mais vu que j'avais l'armure de camouflage, en gros, ils m'ont endormi, mais après, ils étaient juste autour de moi, ils m'attaquaient pas vu qu'ils me voyaient pas. Genre, c'est trop Par contre, les cheaté. Argentavis, ils sont au level, pardon. Les argentavis que t'as, toi? Ouais. Putain, mais les cons de scorpion, ils lui ont fait peur, il s'est barré. Alors, C'est celui trop d'Araneo. stylé. Hop. J'en Ah, il avais faut que jamais je vu range en plus. l'artefact. Attends, hop. D'ailleurs, Ah bah, après, il y a un bronto niveau 40, on fera un putain. truc pour exposer les artefacts, les gars. Parce que je crois que tu peux faire ça. Par contre, on voit que dalle, hein, je suis désolé. J'augmentais le gamma, tiens, hop. Vous voyez un minimum. C'est moins beau, mais vous voyez au moins. Oh, Alors, attends, je crois bam. que je l'ai retrouvé. Merde. Enfin, en soi, il a pas besoin d'être au niveau, le bronto, juste pour récolter des Non, mais c'est pour marcolés. juste des... What? Dis-moi comment t'es sur l'araignée. Niveau 1, il doit avoir J'ai 1002 jeté points. les murs. Enfin, je vais les enlever et pas les jeter, hop, voilà. J'allais dire, le bordel, c'était un Kangourex, mais non, c'est un Prococtodon. Mais ça existe, ça, le Kangourex, sur une Elle a autre pas de poids! arche. Elle a combien de poids? Elle a 116, mais gros, c'est rien du tout! Elle a aucun poids. On va acheter Ouais. ça. Gros, l'araignée, Même vraiment, pas tu peux pas la, percevoir tu lui-même. peux pas la monter, frère. Ouais, c'est Elle un a truc zéro de de poids. collection, quoi. Ouais, l'araignée, ça, vraiment, ça sert pas à grand-chose. Si, Oh, le petit. ça peut ralentir des dinos avec sa toile d'araignée. Putain, y a le petit dino de merde là qui t'aveugle et que tu peux plus bouger. Ah, c'est le trodon! Non, même pas, c'est un autre truc. C'est un pyroraptor, je crois. Mais gros, mais Ah, laisse-moi micro-raptor! tranquille. Ouais. Oh, il est horrible. Oh, c'est Il est tellement stylé! dangereux. Est-ce que je peux viser le pteranodon? Ouais, c'est ça, c'est tellement. Ça peut niquer ta game en 2 secondes, ça. Et contrôle, ça fait 5 rien, secondes. ok.
Donc clic droit pour envoyer des toiles d'araignée. Spider-Man. Ah ouais, c'est dégueulasse, il y a les trucs verts et tout là. Hop, j'envoie en l'air carrément. Oui, il est niveau 23 du coup, le Ponto. Alors, en vrai, ça peut faire des trucs marrants, en vrai. Hein. Bon, ça me suffira pour mes bruits. Ok, ça et du coup, elle attaque là. Comme ça. D'accord. Oh putain, elle attaque vite, en vrai. Ouais, mais c'est dangereux, les araignées. Araignées pour les joueurs. Ouais, pour les joueurs, c'est dangereux. Hein. Parce que t'as 3 okay. Araignées sur 3, si t'as pas de dino... dans la merde. Du coup, je vais la mettre dans l'enclos. Hein. Je vais te mettre dans l'enclos, Iliana, parce que du coup, l'araignée, elle voulait que je la renomme comme d'accord, l'araignée. D'accord, il y a un T-Rex à côté de mon Bronto. Alors, faut faire gaffe qu'il y ait personne il qui sorte. Il l'attaque même pas, genre. Oh putain. Ben wesh. Ah, si, sérieux, là, l'araignée, là. Je vais devoir oublier de te transporter comme ça. Non, c'est bon. Tu vas te démerder. Oh, ça va, le S, le Rex. On le déglingue. Non mais en vrai, si t'as plusieurs dinos forts, le T-Rex en vrai il fait rien du tout. Oh, merde, mon Broto il prend cher aussi. Alors on va le mettre en pas bouger et on va activer la promenade. Autre option. Crève. Activer promenade, voilà. Ça, okay. Ça se balade. Et wow, tout le monde chaud, hein. Est content. Hop, on va fermer l'enclos. Putain, mais le Raptor, mais on ouais. T'a pas invité. Ah, c'est mon merci. Mon Bronto il va sûrement crever. Ah, en vrai il fait mal hein, le Bronto. Le Bronto fait mal. Le Bronto. Ah le Bronto. Attends, il a combien? Oh, il a 200 PV, j'ai eu trop de chat. De quoi, le Bronto? Ouais, parce qu'en gros je suis arrivé pour le récupérer. Il y avait un T-Rex à côté de lui, niveau ben, au même niveau que le Bronto. Et avec mon Argentavis, je l'ai tapé, on a réussi à l'avoir. Bah ça, t'as de la chance. Bah ouais, en plus, mon argent, le Bronto, il a que 200 d'attaque et l'Argentavis, il a 173. Ah oui, ouais, vous tapez vraiment pas fort, quoi. Ouais. Vous avez quand même réussi à l'avoir. Ouais. Mais ça vole, hein. Ouais. Bon, alors, on fait quoi? Tu vas re-aller dans une grotte. Ah oui, bien sûr. Bah oui, pourquoi pas. J'ai failli me faire buter, mais tiens, on y retourne. Non, en vrai, vous voulez faire quoi? Vous voulez vraiment qu'on retourne dans une grotte? Ou vous voulez qu'on... Je sais pas, qu'on retime un dino, qu'on refasse tourner la roue, comme vous voulez. En fait, je vais mettre 3 ans à la ramener, le bordel. Ouais, mais le Bronto, ouais, par contre, il est long, ça c'est sûr, c'est un bon. Genre passer par l'île des carnivores en même temps, vu qu'elle est pas très loin. Un Galliminus, si je m'en fous. Oh, il est niveau 48. Hop. Bolas. Ouais, raison, il est stylé, vous pensez quoi en stylé? J'ai mis des espèces de piliers pour que ça fasse plus... plus stylish. Hop. Du coup, c'est il est là, le Galliminus. J'ai plein de potatoes. Hein. Potatoes. Dans mes frites. Enfin, la troisième. Ça se voit, hein. Le Galliminus, c'est un peu Usain Bolt. Le Galliminus, il est ultra rapide. Hein. J'ai raté ma bolasse, putain, fais chier. Oh, j'ai la faim. Mais il y a que des araignées, serpents et scorpions dans les grottes. Il y a aussi des lézards qui sortent de la terre. Des lézards qui sortent du sol. Les Megalanios, tu veux savoir? Quoi, mais il a pas marché. Il y a également, des Pulvoria. Pulvoria, c'est les espèces de tigres qui ressemblent plus tard. Bah tiens, au Tilacoleo d'hier. Qui ressemblent à ça, mais qui se cachent sous le sol et qui sortent quand tu passes sur leur truc. Et ouais, je suis pas et puis t'as des espèces de chauves-souris géantes aussi. Ouais, mais qui font grave mal, hein, vraiment aucune blague, qui font hyper mal. Ouais, c'est des Onyx. Ouais, c'est des Onyx. Des Onyx, ouais, pas Pokémon, putain. Putain, Galliminus, arrête de courir. Mais après, je pense que je les sème tous, hein, avec ma vitesse. Je pense, en vrai, si c'est juste pour récupérer l'artefact, en vrai, je mets ma tenue de camouflage. Je me mets en accroupi. Comme ça, ils me voient pas, et dès que j'entends qu'ils me voient, hop, j'ai juste à sprinter comme ça, et puis c'est terminé. Il y a tellement de micro-raptors. Non, mais les micro-raptors, c'est trop chiant, ça te saute dessus et ça te fait tomber de ta monture. Puis tu peux quasiment plus bouger en plus. Ouais, si, je sais plus ce qu'ils font pour plus te faire bouger. Donc en gros, en dessous d'un raptor. Tu veux qu'on dans les grottes? Ah non, grotte, c'était la correction d'avant. Du coup, tu veux faire quoi, Iliana? Tu veux aller dans les grottes ou qu'on retame un dino sur la roue? Quand je dis la roue, je parle pas de.
Tourne la roue, vas-y. On y va. Bim. Bam bam, voilà. Malgali Roue. Oh, Minus. attends, du coup, j'ai supprimé Araeno. Est-ce que Enfin, ça chez Araneo plutôt. Alors. celle de Gali Minus? Putain, il faut des lingots, j'en ai pas sur moi. Araneo. Voilà. Alors. Sur quoi va-t-on tomber, Gigano? Tu sais que tout à l'heure j'étais tombé sur Quetzal là. Bras de tyrannosaure. Alors. Dimorphodon. Ah, Dimorphodon c'est le petit truc qui vole. Tyrannosaure, c'est T-Rex, oui, on est d'accord. Oui, c'est T-Rex. Alors. Hop. Attends, Oh, il gagne 23 Dimorphodon. niveaux. Donc il sera level 70, oh, bah ça va. C'est bien Mon ça, c'est bien proto. ce que je pensais. Alors, C'est bon, play. il est un peu partout, hein. Oui, il serait jamais plus Alors, vite. butin, combat, apprivoisement. Ah, c'est endormi, tu dois l'endormir. Puis après, ouais, c'est de la viande classique. Ok, Oh, il faut bah, des lingots. Putain, j'aurais c'est dû prévoir parti. des selles. En plus, je crois que tu peux le mettre sur ton épaule, du coup, ça pourrait être mignon. Bah, tu me diras le singe aussi, tu peux le mettre sur ton épaule, en fait. Bon, du coup, on est Micro, mais Tipar. le micro-raptor, mais wesh. C'est relou ça. Oui, Microraptor, c'est trop chiant. Donc, Non, mais Dimorphodon. Alors, ça peut Dimorphodon, j'en tellement te croise niquer plusieurs, mais à ta chaque fois, game. je. Ouais, ça peut te ruiner la game, ouais, c'est ça qui est chiant. Du coup, on va juste se balader, les gars. Hein, parce que on va juste se balader jusqu'à temps qu'on en trouve un. Hein. Bon, c'est pas très rare. Hein, Merde, le donc, ça Galimus. devrait pas en prendre trop de temps. Putain, il a. En plus, il s'endort en une flèche, donc. A priori, ça devrait bien se passer. D'ailleurs, Jonas, c'est que Jonas, il a failli en capturer un de Dimorphodon. Sauf qu'en gros, il lui tirait dessus avec des flèches d'arc. Et Normal. du coup, le truc, il est mort. Ah, le Galiminus, son inconscience, elle baisse tellement vite. Moi, j'avais pas prévu. Ah, Raptor Alpha ici. Ouais, moi, j'en ai croisé une paire. La Iguanodon. En vrai, vu le. Ouais, mais j'ai plus que 16 balles, c'est ça le problème. Parce que j'allais dire, vu le temps que je vais en mettre à le ramener, autant que je tame un max de trucs sur la route, mais j'ai que 16 fléchettes tranquilles, disons. Alors, Donc, bon, ça peut prendre comment, tellement l'inconvénient de ça, c'est tôt. que c'est tout petit. Oh! Il est stylé, lui! Parasaurtech niveau 64, il est en métal noir avec des. Oh, attends. En train de me dire que là, le petit truc là, il est en train d'attaquer un gros triceratops. Il est mort, lui. Mais tu sais, il la tame juste là en plus, Jonas, son machin, son dimorphodon. Qui va nous appartenir dans très peu de temps parce Il que a vraiment. combien de poids? 1600, ben voilà. Ah bah tiens, il y en a un là-haut! Parfait. Ah, il y en a deux en plus. Ok. Alors. Corlys. Niveau combien? Niveau 44, ok. Et lui là qui vient de partir. Bon, il est parti trop loin. Alors, il est où l'autre? Ah, il est là, ok. J'ai eu peur, je me suis dit, attends, en fait, il a disparu ou quoi? Alors. Ok. On lui met de la viande qu'on n'a pas, bien sûr. Toi, t'en as de la viande, j'espère? Non. Ok, bon, on va devoir tuer quelque chose. Alors. Pas un truc là? Il y a des raptors, vas-y, venez. Voilà, viens là, toi. Vas-y, venez, vous. Vas-y, venez. Mais prenez beaucoup. Ok. Par contre, ils m'ont cassé. Oh! Par contre, lui, je suis pas sûr de le faire à main nue, tu vois. Donc, on va le contourner. Il y avait un putain de Carnot, là. Il est où le Carnot bordel? alpha ou Carnot normal? Normal, mais je suis pas sûr de le faire à main nue, donc je prends mes distances. Ah oui, à main nue, ouais. Enfin, à l'épée, quoi. Ok, c'est bon. Ok, bon. Le truc est déjà tame, ok. Du coup, on peut le ramasser, il est sur notre épaule. Let's go. Attends, du coup, le Carnot, il est où? Je l'ai pas vu. Ouais, du Oh, coup, ça va c'est être bien de se tame, hop. balader avec ton Galiminus. Ouais, j'ai des bébés Certes, c'est au araignées sol, volants. mais. Je suis pas sûr que ce soit ça, tu vois.
J'avais pas dit ça, mais... Alors, ma base est là-haut, ok. Bon, bah, en 2 secondes, d'accord. Bon, bah, du coup, on fait quoi? Du coup, on retourne la roue, on va, je sais pas où. On enchaîne les timings, là. Vitesse, il est à 100%. Mais je pense que la vitesse, ça marche pareil. Mais la vitesse sur les dinos volants, tu peux pas augmenter. Non, mais genre, ça marche pareil que les dégâts, genre. Parce que le Galiminus, il a que 100 de vitesse, enfin 100%, mais il va tellement vite. Oui, ça marche comme pour les dégâts. Sur une vitesse de base. Ouais. Parce qu'il peut avoir, il peut Alors que avoir 100 de tu vitesse. mets une Carbonémis. Avec 500 de vitesse, elle est quand même hyper lente. Avec. Non, avec 100. Elle ira pas aussi vite qu'a eu le Galiminus. Bah ouais. Est-ce que c'est dangereux par ici? Hop. Putain, Du coup, on va j'ai le poser encore avec beaucoup Magic tout à Bepo et l'heure. tout. On Il y a retourne, des ok, hyènes. Oh vas-y. non, je veux pas passer dans le troupeau d'hyènes. Alors, hop. Alors, on commence à avoir plein de petits trucs là. Tu fais quoi, ref? Non, mais arrête de me suivre, arrête de me suivre. Voilà. Tiens, reste en l'air là, voilà, t'es très bien comme ça. Let's go. Et du coup, ouais, on retourne alors. Bon, en vrai, je suis content que Lucky soit mort, mon Bronto. Pourquoi? Bah parce que j'avais la flemme de le ramener, il vient de se faire tuer. Ah. Donc, Ok, hop. bon, pas à son âme quand même, mais bon. Ouais, j'avoue, qui repose en paix. Ça m'arrange quand même parce que faire 10 km avec un gros machin Avec un qui est en truc qui est soi. hyper long. Alors. Tant pis, j'entamerai un même bas Pardon. level, ça me suffira largement. Je dois t'aimer un piranha, gros. Ça se tame ça? Ouais. On a vu, tu fais une armée, ça peut EZ d'un mégalodon. Bah oui. Mais c'est comme tout, même les Dilophosaures, ça peut EZ d'un T-Rex s'ils sont bien level up et Faire qu'il y un en a. petit aqualiomus. Bah, en vrai, ouais. Pourquoi pas. Ouais, le souci. Du bon verre qui coûte bien cher. Mais il n'y a aucun dino qui vient à ta base. Bah, en fait, s'ils viennent, disons qu'ils ont peu de chances de survie, quoi. Du coup, ouais, ils préfèrent rester à l'écart. Parce que je pense que s'ils viennent, si un parasaur vient et qu'il voit ça, je pense, tu vois, ça peut se comprendre qu'il fait demi-tour. Mais sinon, déjà là-haut, il y en a qui spawnent. Mais c'est vrai qu'autour, de toute façon, autour, il y a des dodos et puis des dilophosaures qui spawnent. Et puis je les tue pour ma bouffe, alors. Bon. Du coup, Piranha, ça se tame comment? Parce que ça, je sais pas. Si ça doit être endormi, ou bah, je pense que ça doit être endormi, mais. On va quand même checker. Alors, je sais pas comment ça s'écrit, par contre. Hein. Piranha, alors. Ah. Bon, voilà, il y a Piranha, classique. Apprivoisement. Le Piranha peut être apprivoisé en utilisant une nasse. C'est vraiment pas mon jeu, hein. Cependant, leur niveau est apposé, donc ne peut gagner aucune expérience et ils ne mangent pas à l'auge. L'engramme de la nasse peut être appris que sur aberration et vous avez besoin de 60 bois forgiques. Vous pouvez également transférer les piranhas apprivoisés dans diverses précautions. Hein, ouais, donc en fait, on peut pas le tame, ok. Donc piranha, on peut pas parce qu'il nous faut un item de aberration. Oh, j'en ai marre de jeu. Enfin, quoi, attends. C'est quoi la nasse? Attends, nasse. Ah oui, mais il faudra bois forgique. Bois forgique, c'est sur des arbres de. Pourquoi il faut que ça m'arrive qu'à moi? De quoi tu viens de. Il y a quoi qui est Même arrivé? mon Galiminus qui est mort. Ok, nice. Bon, on retourne du coup. Par un raptor alpha qui courait aussi vite que lui. Je tiens Ouais, à non, mais les raptors préciser. alpha, c'est beaucoup trop rapide, hein. Donc un raptor qui court aussi vite qu'un Galiminus, Archéoptérix. c'est assez récent, on va dire ça comme ça. Pour à peine hop, biome neige, mammouth laineux. Non, rhinocéros laineux plutôt. Non, Tu là je vois suis sur rhinocéros l'île c'est des là? carnivores. Non, Ah, c'est j'ai sur pas l'île. assez... j'ai que 16 flèches. Mais tu sais qu'en vrai, en J'ai 16 encore flèches, fait j'y un étais, truc moi, de je pense. bien. Un bas Non, level. mais je suis pas. Je suis à l'île des carnivores là. Alors, archéoptérix, du coup. Enfin, archéo, Oh! machin, je sais pas. Quoi? Il y a un T-Rex tech. Ah bon? Putain, la Ouais. chance. Gros, t'as trop de chance. Non, mais tu sais que je vais peut-être pas pouvoir le tame. Hein. Bah, faudrait déjà, si tu le t'aimes, faudrait déjà réussir à le ramener. Il est niveau 19 et j'ai 16 fléchettes Alors, tranquillisantes. ok, donc ça existe vraiment, ça. Alors, c'est où? Tu penses que ça passe ou C'est pas, Noé? uniquement dans le Redwood, trop bien. De quoi?
Il est niveau 19 et j'ai 16 fléchettes tranquillisantes. C'est... Oula, non, ça suffira pas, je pense. Je pense pas que ça suffira. Ah ouais. Après, il est entouré de beaucoup de T-Rex, donc normalement, il lui arrivera rien. Non, normalement, il peut pas. Enfin, normalement, ils s'attaquent pas entre eux. Hein. Peut-être le T-Rex alpha, s'il y est. Non, non, il y a pas... De toute façon, les T-Rex, c'est les plus forts de l'île des carnivores, alors. Ouais. Bah, normalement... Moi, sur mon île des carnivores, il y a les carnous et puis les... Les T-Rex alpha. Ah, il est incroyable. Ouais, t'as vu? Ils sont trop stylés, les T-Rex alpha... Les T-Rex tech. Et tu peux le faire reproduire avec un T-Rex normal? Je sais pas. Alors on peut occasionnellement le trouver dans les sous-bois, si on parvient à s'approcher sans l'effrayer, on peut tenter de l'immobiliser avec des bolasses. Il vaut mieux l'endormir à la fléchette en disant car les armes plus primitives risquent de le tuer. S'il s'échappe, suivez-le, il ne tardera pas à monter dans un arbre, mais pas suffisamment haut pour être hors de portée. D'accord. Okay, donc après, il est dans les arbres du Redwood, ok. Tu penses qu'il y a des meilleurs stats qu'un T-Rex normal ou pas? Non, je crois que c'est comme un Parasaur Tech. Hein. Ouais. C'est genre, il a les mêmes stats, mais c'est juste qu'il a un autre skin. J'ai envie de le thème quand même. Bah oui, il faut que tu reviennes alors. Moi, le seul que j'ai vu, gros, il est mort sous mes yeux, j'avais le seum. Hop. Il est tout bleu, moi, quasiment. Bon, du coup, go Redwood. Bon, avant, il faut que je me fasse un Bronto, du coup. Je vais prendre. J'espère qu'il y en a vraiment près de chez moi. Du coup, on dirait un micro-raptor le truc. L'archéoptérix. Alors, la map. Ouais, je suis là. Il faut que je. Oh, faudrait pas confondre. J'ai beaucoup de trajets à faire. Je sais pas si je peux regarder ton live en même temps si ma call va tenir. Alors, bon, du coup, il est dans les sous-bois, ça met, hein. Donc, il est par terre, quoi. Bon, après, par terre, il y a d'autres trucs, comme par exemple des ours sinistres. Trop bien. Des ours sinistres, des tilacoléos dans les arbres, etc., tu vois. Je vais voir. Hier, on a galéré pour trouver un tilacoléo. Tu vas voir que dans 2 secondes, je vais t'en dire, mais putain, il y a un tilacoléo qui m'a sauté dessus. C'est quoi, ça? C'est un escargot. J'avoue que tu prends des risques. Oh, il vaut combien? Je crois que j'ai vu niveau 108 l'escargot. Hein. T'as mis mon son combien? Parce qu'on m'entend pas fort. Ton son, il est fort. Hein. Moi, sur Discord, ton son, il va jusqu'à la barre jaune, donc c'est fort. Oh! C'est quoi ça? Micro-raptor de merde. Il est où? Tu vois là, il peut te mettre dans la merde en 2 secondes. Là, il y a un allosaure qui arrive, t'es mort. J'avoue que il est un peu casse-couille, mais bon, il m'a sauté dessus le truc, je sais pas où il est. Alors on va lui améliorer son endurance à lui. Mais qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Et moi ce que je veux c'est des petits oiseaux bizarres là, Archéoptérix. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Par contre, c'est incroyable d'avoir. Quoi, mais si, je suis en train de manger! Mais j'ai pas mangé en 2 secondes. Englouti. Ouais. What? Gros, dans mon Redwood, il y a un brontosaure, il est vert. Bah, tu vois sur mon live, de toute façon, si t'es dessus. Mais un brontosaure, il est vert fluo, le truc, carrément. Il pète. J'ai aucun dino, moi, de cette couleur. Bon. Y'a pas grand chose aussi. J'esquive. Clé. Pélagon miss. Mais gros, mais ça, j'en croise tout le temps maintenant. Avant, je croisais jamais. Maintenant, je croise tout le temps des espèces de yétis, là. J'ai gigantopithèque. Oh, il est agressif. Ah oui. Ouais, c'est agressif, ça. Lui, à mon avis, il doit mettre des grosses patates, hein. Bah, putain, tu sais que... Il y a que des pégomas. Un level 10, je crois, en... 20 coups, il avait niqué mon bouclier. Quoi? Parce qu'ils ont un truc spécial qui nique les boucliers, hein. Je sais pas, mais il m'a défoncé. Hein. Ah, mais j'aurais dû aller avec le Tilacolo dans le Redwood en vrai. Parce que de toute façon, si je me fais attaquer, hop, je vais dans un arbre et c'est terminé. Il faudra un Galiminus, il a. Ok, les gars, on y retourne. On retourne à la base pour chercher un. Le Galiminus, non, mais il doit avoir beaucoup de stam. Hein. C'est un dino rapide de fou.
Parce qu'en vrai, ça serait plus simple d'y aller avec ça qu'un Avec le argentavis. Galéminus. Ouais, parce que l'argentavis, c'est lent, quoi. Ouais, c'est ça le problème avec l'Argentavis. Bon, en même temps, le truc, il peut pas tout avoir, hein. Ouais. Il peut porter un ankylo. C'est déjà pas mal. Du coup, les gars, on va changer un peu. On va y aller avec le Tilacoléo. Parce que, au moins, si on se fait attaquer, on peut monter dans les arbres. Et du coup, le dino, il est comme un con. Et Mais surtout, bon, maintenant que j'ai beaucoup les. de stam. Vu que les Archéoptérix, je crois, ils montent dans les arbres, Oula. eh ben on pourra les poursuivre en fait dans les arbres. What? Ah, j'ai cru que j'ai vu un truc là. J'ai cru avoir vu un truc. Ah, et puis il faut que je Ah, remette c'est mon armure. lent, passer son temps à parcourir la map. Putain, heureusement que j'ai pas ramené le Bronto, j'étais un fou moi en fait. Moi, ça va, Alors là, il clairement, était vraiment juste à côté, hein. j'aurais jamais terminé là. Hein. Il m'aurait fallu jusque minuit, je pense, pour le ramener, no joke. Vraiment, à ce point-là. Bah oui, mais j'étais à l'autre bout de la map. Prends ta map et tu regardes, moi, ma base, elle est à. Tu vois où c'est 60 tout en bas? Ouais. Bah, c'est l'île juste au-dessus, genre à 3-4 traits après. Et j'étais à l'île des carnivores, donc. Tout au nord-est ou ouest, je sais plus c'est quel côté, mais à droite quoi. Ah oui, Je c'était crois que loin. c'est Ouais, est. je vois ce que tu veux dire, ok. Donc toi, en gros, t'habitais en Bah, un peu 60, plus loin que. 65, 70, quoi, en gros. Enfin, Ouais. en Un latte. peu plus loin que ton spawn. Ouais, je vois, ok. Ok, ouais, merde. Genre où qu'il y a le. Où. Juste après où qu'il y a les. Le sort de truc avec les Ouais, rochers et puis t'étais en haut de la map, quoi. là. Ouais. Ouais, donc ouais, t'aurais mis du temps. Surtout, t'aurais eu de l'eau à traverser et tout. Ça aurait cassé les burnes. Elle est où mon. Une armure, elle est là-dedans, je Bon, crois. allez, un Bronto, prenne ma base niveau 1, je m'en fous. Ok. Et puis hop. Ok, là je suis à l'autre petite île. Et du coup, on va prendre Je le crois que c'est l'île Tilacoléan. des herbivores. L'île Il me des semble que herbivores. c'est l'île. Ouais, bah ouais, parce que c'est une île. Où qu'il y a que des herbivores. Stylé. Donc ça doit être ça. Je En sais vrai, pas si ça t'y as doit être déjà safe. été. Ouais. Je suis Je sais venu pas plus si tard t'y as car déjà je été. mangeais. Bah, c'est pas grave, hein. Tiens, d'ailleurs, Athéna, elle t'avait envoyé des messages, hein, Liane. Tu lui as pas répondu, tu lui as mis des remis. Encore un T-Rex alpha, mais il y en a partout. J'ai plus de T-Rex alpha que de Spino dans ma game. C'est un truc de fou ça. Le Du cri coup, du Tilacoléo, il est stylé, hein. faudra que t'ailles voir, mais je pense pas que t'en as besoin de l'île des carnivores. De quoi? Mais j'ai été chercher mon premier ankylo là-bas, quoi. Ah oui. Ok, je vois. Ah, des vestiges. Hop, on va pour gagner un peu d'XP. Fiomio. Ah C'est bah quoi? tiens, Ah, il y a un. j'ai eu le livre des Spinosaures, peut-être que je vais en voir plus maintenant. Peut-être que ça Oh, va il a pris des raviver la dégâts. flamme. Ça va raviver la flamme. Hop, ah, j'ai cru. Les loots, je veux Hop, je jamais viens trop d'ouvrir une voir, mais en note. vrai. Mais tiens, Le le pachy. hier justement dans le biome neige, il y avait un loot rouge, mais il y avait que de la merde dedans. Mais les loots rouges, je crois, c'est en dessous des loots jaunes. Hein. Les loots jaunes, c'est mieux. Je Costume crois, hein, je suis pas sûr, hein, du tout. Mais... de Stégosaure squelette. Oh, c'est stylé ça. Ah oui, je l'ai mis sur mon stégosaure, ouais, il est stylé. Vas-y, ben je sais même pas comment j'ai eu ça. Thibaut qui nous dit qu'il peut venir que à 22h30. Mais le live il sera fini. Est-ce que je pourrais. Ouais, non, je veux pas passer par la grotte parce que de toute façon, le scorpion, je pourrais pas le sortir donc ça sert à rien. Pas chi. Enfin, c'est un. Je Oh! suis un mec à me faire chier à team un scorpion au niveau Oh, il y a un 140 et je peux même T-Rex! pas le sortir. Il y a un T-Rex et un Carnot alpha.
Ouais, lui, jamais je vais le voir, le Carnwolf. Hein. Lui, je préfère le voir de loin. Hein. Il fait limite la taille d'un Ah, t'as level up, T-Rex. Iliana, j'avais pas vu. Je croyais que c'était un message de un autre truc. Quand j'en ai vu un pour la première fois, j'ai cru que c'était un T-Rex alpha, mais non, c'était un Carnwolf. Le truc, il est énorme. Ouais, il est gigantesque. Bah, en même temps, tous les alphas, ils sont plus gros que la taille normale. Il est niveau combien, là, le T-Rex qui se fait défoncer? Niveau 20. Ouais, d'accord. Bon, il se fait défoncer, il va mourir, c'est sûr. Alors, il y a des raptors. Il y a des raptors qui sont contre un Galliminus, ils se font tracer par le Galliminus, mon gars, mais quand je dis tracer, c'est violent à voir. Ouais, mais moi il s'est fait tuer par un Raptor Alpha, gros. Raptor Alpha. Oh, c'est vrai que moi, si je tombe sur un Raptor Alpha, là, par contre, dans Redwood, je suis mal. Hein. Parce que mon style a collé au. Bon, après, bah oui, c'est vrai, je peux monter dans les arbres. Ça, c'est bien Ah oui, ça. merde! J'ai oublié que j'avais mon T-Rex qui grandissait, moi. Hop, regarde, parce que là, par exemple, le Raptor, il me poursuit. Hop! Qu'est-ce que tu fais là? Hein, qu'est-ce que tu fais, Raptor de merde, va? Hein, et là, je saute comme ça. Donc, Noé, du coup, j'ai trois rouges, sauf que lui, il a une particularité, il a la crête orange. Que les Ouais. autres n'ont pas. Allez, même le père ou la mère n'a pas. Ouais. Ah ouais, En donc c'est gros, si mutation, tu veux savoir le attends. Attends, le mâle, il est genre crois. C'est pas un ça? peu noir marron avec des taches violettes et après ils Ouais. sont tous rouges, rouge et blanc, sauf que lui, il a une petite crête Il devait orange. être stylé tes dinos rouges et blancs. Ouais. C'est l'une des plus belles couleurs sur le T-Rex, enfin couleur normale quoi, tu vois, parce que t'as des trucs qui sont à moitié shiny. Ouais, j'avoue que. Mais surtout le T-Rex Alpha, il a des couleurs. Qu'est-ce qu'il me fallait, moi? Il faut que j'aille Il a des là-dedans. couleurs plutôt stylées. Oh! Faut que j'aille le tame au plus vite, hein, par contre, Oh, let's go! le T-Rex Alpha. Alors attends, hop, je vais prendre mon gun. Il est Alors, bugué. Stego, il est où le Stegosaur? Let's go! Putain, ça aurait été plus facile que prévu. Il mange de la viande, hein? Ah, il est Il là. mange pas de la viande. S'il te plaît, il mange des baies ou des trucs comme ça. Viens de déguiser, hop. Kin. Il mange Ah quoi? ouais, il a du flow le Merde. Attends, attends, bâtard. je mets le jeu en pause, les gars. Je veux juste voir ce qu'il mange. Il mange de la chitine, quoi? Wesh. Il est stylé en vrai en mode squelette. Y'a un dino, il bouffe de la chitine, gros. Ok, bah du coup, je suis dans la merde. Parce que là, il va se réveiller. Il me faut de la chitine, j'ai Sac pas de lourd, chitine, moi. plate affûtée. Il y en a, lui. Ah, oh, j'en ai! J'en ai sur moi! Oh putain, la chance! Attends, c'est quoi qui bouffe de la chitine? Le Archéoptérix, gros, il bouffe de la chitine, le bordel. Ben wesh. Let's go! Attends, j'ai oublié parce que. Mais le What? stego, il est pas mal pour récolter des baies normalement. C'est quoi ça? Gros, le truc, c'est un parachute! Gros, le truc, tu peux fly avec! Gros, regarde mon live! Attends, je m'occupe. Mais what the fuck? Ah oui, ouais, je vois. Comment je fais pour que ça s'annule? Ah, ok. Faut que je lance, putain, le pauvre. Attends, mais c'est stylé de fou! Hop, je monte sur lui. Attends, est-ce qu'il peut porter le Tilacoléo aussi? Non, ok, il peut pas soulever le Tilacoléo. Bon, ça serait un peu illogique, mais déjà qu'il peut porter un être humain. C'est quoi ce bordel? Il s'est coincé la tête dans le caillou. Ouais, j'avoue que là, j'ai eu de la chance en vrai, par contre, avec lui. En vrai, j'ai eu pas mal de chance. Il mange des croquettes. Non, il mange de la chitine aussi. Il mangeait des croquettes, des kibbles, mais il mangeait de la chitine aussi. Par contre, gros, il est stylé, lui. Il peut te faire fly et tout, c'est incroyable. Tu vois, ça, par exemple, sans la roue de la fortune, j'aurais jamais timé ça, parce que j'aurais jamais su que ça existait. Parce que, bon, je connais le jeu, mais bon, faut pas non plus déconner, quoi. Je savais même pas que ça existait. Bon, par contre, il est que niveau 17, hein. Bah, ça me fout droit comment tu peux voler avec, hein. Le truc, il est 10 fois plus petit que toi et tu peux voler. Plateforme pour le titanosaur. En vrai, Tilacoléo, si je dois aller dans le Redwood, en vrai, je pense que c'est le must-in avant. Parce qu'il va assez vite en vrai, surtout il peut fuir dans les arbres et ça c'est bien ça. Et il peut fuir que dans les arbres du Redwood, par contre, il peut pas aller dans les arbres les autres. Ouais, c'est Putain, je l'ai normal. appelé terreau.
Qui ça? Qui ça que t'as appelé Mon Tero? T-Rex. Oh le pauvre. Le pauvre, ouais. Truc, il a déjà envie de crever avant d'être apprivoisé. Des avions de chasse russes qui passent au-dessus de ma maison. Ah bon? Ouais. Enfin, non, ils sont pas russes, mais il y a des avions de chasse qui arrêtent pas de passer, frère. C'est bien la Troisième Guerre mondiale. Là, j'entends. Et là, ça, le Discord y coupe. Allô, Evan? Allô? Et là, dans le journal, la famille Dordain a été bombardée. Mako, elle a été interrompue, on va dire. Mais what the fuck, gros, c'est quoi ça? Puis dommage que tu peux pas fabriquer un mortier amélioré pour que ça crafte plus vite. Mais Parce que c'est long. tu peux augmenter ta compétence d'artisanat et ça te fait. Tu sais, elle est à. Moi, elle est à 140. Et moi, Voilà. j'ai amélioré un Hop. peu de la merde au début du jeu. Enfin, on a pas mal de dinos là, les gars. Putain. Non, mais lui, il me suit, lui, il me suit pas. Voilà, reste avec tes potes. Ah, On a pas mal de la petits, de surtout biche. de petits dinos. Attends, j'y repense, ils peuvent peut-être faire Je vais leur un peu gosse manger, hein. Vous m'excuserez. dans 1 heure. Oh putain. Dans 1 heure, il y a quoi? Ah mais il a des narcos. Dans 1 heure, je peux accoupler mes térésinosaures. Tu vas les accoupler eux? Ouais. Pourquoi? Bah pour avoir un bon terri. Surtout, en vrai, lui, le terrain, ce qu'il lui faut surtout, c'est le poids. J'en ai un niveau. Attends. T'as The Petit Rock, wrap! il est level Petit wrap 123 et l'autre il branche! est niveau Bon, le truc, on 141. dirait, il y a le Covid. Mais mon allosaure, frère, il se coince dans tout, frère. Mais votre part va pas dans mes dinos qui sont en stand-by. Qui sont Casse les stand-by. couilles. Regarde, il est là, il fait le fier, mais. 83%, il est à maturation. Le singe bleu est stylé, mais son museau en vert il est moche. J'avoue qu'en vrai, ça gâche tout. Son museau il aurait été bleu, ça aurait En été vrai, tu stylé. devrais le tuer, hein, Noé. Comme il ferait Jonas. Comme il ferait Maël Jonas, aussi. Jonas, il abuse un peu sur Arc. Ouais, j'avoue. Je peux comprendre qu'il ait la malchance, mais des fois, il s'en bat juste les couilles. Ouais. Mais des fois, attends, tu veux que je te raconte petite anecdote. Petite anecdote sur Jonas. Et là, il regarde le stream. Tout à l'heure, on va. Il m'a dit, oh, je vais chercher un pteranodon. Et je lui dis, vu que j'ai rien à Il m'en faire, vas-y, je restait t'accompagne, encore. comme ça tu seras plus safe. Ok, nice. C'est bon, c'est tout, je l'accompagne. On se balade et tout. Et là, sur le chemin, on croise un raptor. Et comment? Du coup, il fait, oh, attends, recule, recule, il y a un raptor et tout. Et je fais, tu veux pas que j'endors, comme ça tu le tames et t'as un dino, tu vois, à peu près fort. Parce que ces dinos, bon, c'est pas des carnivores et tout, du coup, bon. Du coup, je lui dis, tu auras un dino à peu près fort qui peut te C'est farmer la dino de viande et tout. base, quoi, en fait, Voilà, vraiment. c'est le dino de base, tu vois. Je lui ai dit, ouais, au moins tu auras un raptor, quoi. Ouais, mais c'est dino, genre, il avait Parasaur, Ouais. Triceratops, tu vois, ça sert à Bah, rien, quoi. là, il a Stégosaure, Diplodocus. Puis d'autres trucs, je crois. Il a Iguanodon aussi. Mais bref. Du coup, c'est tout, tu vois. Du coup, je redors le raptor. Il l'apprivoise et tout. Et du coup, il dit, vas-y, on le laisse là et en repartant, on le prend au passage en même temps que le Pteranodon. Du coup, je fais, ok, vas-y. C'est tout, machin. On trouve un Pteranodon. On s'avance, là, on voit qu'il y a un alpha raptor à côté. C'est tout, on rebrousse chemin. Et là, on retombe sur le raptor apprivoisé. Du coup, on se dit, bah vas-y, on va le prendre et tout. C'est tout, on le prend. Et moi, je dis, au lieu de rentrer, regarde, va là-bas. Là-bas, j'ai vu qu'il y avait des pteranodons et tout. C'est tout, on y va. Et puis, bon, c'est tout, on y va et tout. Et là, sur le chemin, on croise un trodon. Bon, on arrive à l'esquiver. Mais derrière le trodon, il y avait un terri. Bon, du coup, le terri, bon, on le voyait plus que le trodon. Parce que, comme derrière, il y a quand même la taille qui fait que, voilà. Mais, en gros, on a vu le terri et tout. Et moi, je dis à Jonas, oh, vas-y, il faut le contourner et tout. Il est agressif que si on le colle. Du coup, c'est tout, tu vois, Jonas il contourne et tout. Sauf que ce con il avait mis son raptor en suivre. Et du coup, son raptor il a aggro le terri. Et tu vois, je lui dis, oh, t'inquiète, c'est bon, le raptor il est plus rapide que le terri et tout, machin. On a juste à fuir, on a de la vitesse et tout, le raptor il nous suivra. Ah Et ouais, là, je vois, d'accord. et là Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, attends, attends, je mets mon raptor en pas bougé.
Je lui dis, il va se faire tuer. Il fait, bah oui, comme ça nous fait un appât et comme ça on peut se barrer. Je fais, mais il va plus vite. Il l'aurait semé, hein. Il fait, non, mais c'est pour être sûr parce que sinon on va crever. Donc en gros, on a tame un raptor. J'ai usé des flèches pour endormir un raptor pour qu'il se fasse buter 2 secondes plus tard parce que. Il y a un peu trop d'alpha à côté de moi là. Parce qu'il voulait pas. Je sais même pas pourquoi. Son raptor l'aurait semé, hein. Il aurait semé le terry, hein. Mais je sais pas pourquoi. Il avait pas confiance au raptor, il l'aimait pas, je sais pas, enfin, aucune idée. Du coup, ouais, c'était la petite anecdote. Bon, après, il y a une autre anecdote qui est très courte, hein. À un moment, il avait faim, et il a juste tué un de ses nous pour avoir de la viande. Parce qu'il avait la flemme d'aller chercher des dodos sur sa plage, du coup, il a tué un de ses dinos. Et son excuse, c'est, mais il était nul. Il y a un Carno Alpha et deux. Tu verrais tous mes dinos qui sont nuls que j'utilise, qui sont pas morts. Bah, comme app. Non, ouais. Mais je te jure, il a utilisé comme app. Alors, moi, les gars, j'ai un lithosaure. Le dino est littéralement nul, c'est un dodo, mais il est level 140. Voilà. Et pourtant, tu le tues. Donc, pas quand t'as besoin de viande, quoi. Bah, non, c'est un objet de collection. Mais c'est voilà, un objet de valeur. Voilà, c'est comme eux, là, tu vois. Eux, ils me serviront sans doute jamais, mais je les laisse là parce qu'ils sont mignons, voilà. Bon, alors, eux, ils sont pas forcément mignons, mais ils sont stylés, tu vois. Ils sont utiles. Il est niveau 76. Bon, du coup, on fait quoi? On retourne la roue une troisième fois? Mais pourquoi faire? Quatrième fois, pardon. Ah non, une troisième fois. Parce qu'on avait, on a eu l'araignée, le dimorphodon, et là, on vient d'avoir l'archéoptérix. Il n'y avait pas un autre truc là dans les parages en attendant? Par contre, ils n'ont pas intérêt à venir nous faire chier là. Oui, Haru, vas-y, on y va de ce pas. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant. C'est parti. Bon, là, du coup, je me fais masse flèche et. Bon, dis-moi un peu plus gros, s'il vous plaît, parce que là, les petits trucs comme ça, c'est mignon, hein, mais. Faut que dans moins d'une heure, je l'ai, mon. Terror Bird, bah tiens, nickel. En plus, j'ai une selle épique de Terror Bird. Et j'en ai vu un qui était assez stylé en rouge. Il est rouge, il est stylé de fou. Alors on va juste voir ce qu'il mange avant. Belzebufo, where are you? Y'a pas des Belzebufo. Oiseau terreur, en fait. Oiseaux terreur, c'est des sacrés saloperies, c'est ultra fort. Il y en a dans la grotte tech des oiseaux terreur, putain. Ouais. Ouais, non, mais c'est des vrais saloperies. C'est vraiment. Ah ouais, c'est dangereux. Tout seul, tu crains rien, mais. Mais ils sont toujours si plusieurs, en fait. 3 ou 4, ouais, bah oui. Ils sont ultra agressifs, ils courent vite. C'est pareil, moi j'ai un oiseau terreur, il est niveau 170, le truc. Il a 2200 PV. Le truc qui est des carnaux. Il faisait des carnaux carrément. Ouais. Alors, apprivoisement. Alors, il mange de la viande, oui, bon, ça c'est surprenant. Niveau 30, il lui faut 4-7 flèches. Ok, vas-y. Nickel, on l'a facilement. Hop, hop. Hop. Ok. Du coup, c'est parti, oiseau d'erreur. J'en ai repéré un, j'espère qu'on va le retrouver. Qui était assez stylé, il était tout rouge. On y va avec. Bah non, pas avec lui pour le coup, on va y aller avec l'Argentavis, comme ça on peut le prendre. Carnotaur Alpha. C'est vrai qu'on a. Oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'on a la Pokéball. Mais bon, vas-y. Il doit être tellement dur à battre lui. Quoi, le Carno? Carno Alpha niveau 76. Ah, oui, lui il doit. Je pense qu'il lui faut. C'est 5 T-Rex dessus, le bordel. Un petit gigano, moi je dis ça le fait. En vrai, si tu balances 5 T-Rex dessus, je pense qu'il devrait être au moins minimum tous 70. Ouais. Et t'aurais des pertes. Ouais, sûr. T'aurais des pertes parce que là, oui. Que le truc. Surtout qu'il inflige un saignement, le Carno. Hein, ouais. Dans son premier coup. Dans son coup de tête. Maintenant, il nous sert plus à rien, le carneux normal. Ouais, vous. Encore un. Mais au début du jeu, il te mettait bien.
C'est vrai qu'au début du jeu, en vrai. Ouais, moi, c'était un des premiers carnivores forts que j'utilisais. Hein. Moi, les raptors, au début du jeu, je m'en battais un peu les couilles. Moi aussi. Moi, j'en étais main parce qu'il fallait en tame. Les raptors, c'est pas si ouf. Ouais, en vrai, je pense qu'ils sont surcotés. Même au début du jeu, en vrai. Ouais. Parce que le truc, tu regardes, il a pas de stam. Non, c'est pas ça le problème, c'est surtout le poids, en fait. Genre parce que quand tu commences à avoir des arbalètes qui pèsent assez lourd et tout, tu peux plus te balader avec, hein. Il est déjà full. C'est ça qui est chiant. Toi, il pèse combien le fusil? Il pèse que 5 kilos de plus, mais... Enfin, 5 kilos de plus. Mais les fléchettes tranquillisantes, par exemple, j'en ai 26, elles pèsent que 5 kilos. Ouais, non, mais ça pèse que dalle. Par contre, les flèches tranquillisantes de fusil, ça pèse moins lourd que des flèches d'arbalète. Les flèches d'arbalète, c'est largement plus lourd. Et c'est ça qui est chiant avec le... Laisse un viewer du chat nommer mon brontosaure. Vas-y, nommez le brontosaure d'Evan. Du coup, parce que moi je leur donne des noms tellement mauvais qu'ils pleurent après. Ouais, ils se sentent harcelés. Twitch, YouTube, Traficante, Terreau. Vous savez, le truc pour jardiner, ben, je l'ai appelé comme ça. Hop, suis-moi, on va te ramener à la base, là, il n'y a pas loin. On passe par la forêt, en vrai, il déglingue tous les arbres en marchant. Qui ça? Le Bronto. Le quoi? Il est vraiment lent, lui. Le Bronto. Ah, le Bronto. Je crois que t'avais dit le Lando, j'étais en mode, quoi? Un Lando. Le Lando qui se balade, là, comme ça. Oula. On va faire le tour par la plage. Normalement, tout droit, les gars, il y a un terror bird rouge assez stylé. D'ailleurs, Maël, il voulait le tame, mais je lui ai dit, va te faire foutre. Hein. De toute façon, Maël, il prend que des dinos niveau 150, alors. Hein. Lui, pour lui, un dino niveau 100, c'est nul. Alors que c'est bien, c'est faux, c'est très bien. Alors juste, j'entame mon CBO, voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent, Dilo? Tu gagneras pas contre mon Argentavis. Ça, je comprends pas pourquoi ils viennent te chercher la merde. De quoi les quoi les Brontos? Les petits dinos, alors que tu sais qu'ils vont se faire défoncer. Regarde, le truc, un coup d'épée, il crève. Ils savent. Pourquoi il vient en fait? Allez, dépêche-toi, mon Brontosaure. Non mais heureusement que l'autre je l'ai pas ramené, mais j'aurais pris trop de temps. Il y a le Bronto, ouais, t'aurais pris trop de temps, il est trop lent. Ça se trouve, j'aurais même pas eu le temps d'arriver à l'île des carnivores alors que c'était juste à côté. Ah, il y a un... C'est quoi ça? C'est un Troodon, non? Ouais. Pareil, Troodon, en vrai, ils ont un petit flow ces dinos-là. Ouais, ils sont stylés, mais tu sais que tout à l'heure j'ai appris comment il fallait les tame. Faut leur passer de la weed... Non. Il faut que tu leur ramènes un dino apprivoisé à toi et qu'il tue. Bon, en vrai, ça va, en soi. Ouais, mais genre, plus le dino est fort, plus ça... En gros, genre, par exemple, tu peux pas lui donner des dodos, ni des petits singes. Il faut vraiment que tu lui donnes genre un truc plus gros qu'un parasaur. Bon, en vrai, ça va. Genre un stégoso, mais il en faut pas qu'un, hein. Parce que ouais. Si c'en est un niveau 20, enfin, si c'en est un niveau genre 100, bah, il en faut qu'un. Mais si c'est un stégoso niveau 1, par exemple, il va en falloir plusieurs, hein. Ouais, mais pas niveau 1, en vrai t'en trouves pas de niveau 1. Oui, c'est vraiment si t'as pas de chance. Ah, si, en vrai moi j'en trouve encore, mais parce que ma difficulté de jeu, je l'avais laissé de base. Mais tu l'avais laissé de base, hein. Ouais. C'est après que tu l'as mis. Il faut attendre que ça respawn, hein, pour que ça valide. Ouais, bah oui, c'est chiant. Le pire c'est pour... Normalement là c'est en face, les gars. C'est après le Carno. Ah, il est pas là? Parce que là c'était son pote, ça, avant. Ah, peut-être il est peut-être mort. Le Carno, il attaque pas les Terror Burn, non? Du coup, ils ont trouvé un nom. Ou pas? De quoi? Ah oui, le nom! Le nom pour le Dino Devan, les gars. Petit nom pour le Dino Devan. Un nom assez stylé, un nom assez badass. Genre alors, pas. Il peut être complètement éclaté, je m'en fous. Pas aspirateur, quoi, par exemple. Le maître est. Ouais, aspirateur, en vrai, ça sonne bien. Ça sonne bien, ouais. Ouais, on va dire ça. Bolontosaurus. Non, mais il est où en vrai?
En vrai, il était stylé. Bon, sinon, on prendra celui qu'on a croisé là, mais. Bon, du coup, en vrai, le T-Rex tech, 50 fléchettes, ça suffira Oui, largement. bah oui, s'il est pas niveau. Il est niveau 30. Normalement, ça devrait suffire si t'en rates pas. Ouais, ça doit suffire. Si t'en rates pas. Hein. Non, je rentrerai pas. Si t'as un Mais tu bon sais, tireur d'élite. Comment, l'île des carnivores, en vrai, t'as juste quelques petits rochers, c'est tout. C'est compote. Elle a proposé C'est pas compote, une Iliane. plaine. Compote, Oh, vas-y. le pauvre dino, toi. Il a envie de mourir, Il est con, il est il a envie de con. Il mourir, est con, mais c'est mon pote. il préférait mourir que d'être avec toi, carrément. Il est con, mais c'est mon pote comme ça. Hop. Ça, c'était noir, ça. Bah, tu vas te faire ban pour la Oh peine. putain, merde, c'est vrai. Je l'ai bien mis en majuscule, hop. Niveau combien, lui? Oesoterarch qui est là. Ça Niveau me fume quand même de 40! dire que sur Ark, t'as des murailles en bois, ça retient des dinos. Ouais. Mais après moi j'ai appris tu sais, les grands murs en pierre. Mais après, je me suis dit, ouais, non, ça coûte 162 pierres, un mur, c'est bon. Ouais. C'est trop chiant. Alors, il est où le 2? Hop, On il est n'a là. pas illimité, nous. On n'a pas que ça à foutre, surtout. Alors, il Un arrive, il mail. arrive. Merde, j'avais pas Un rechargé. mail, un mail, un mail. Hihi. Oh, il est adulte, mon petit T-Rex. En vrai, je te conseille de faire 6 de hauteur, hein, c'est beaucoup plus beau. Parce que toi, t'as fait combien? 3 ou 4? Je sais plus. J'ai fait 4 moi. Il me semble, hein. Ouais. Parce qu'en vrai, 6 de hauteur, ça te fait vraiment une vraie muraille, quoi. Tu vois, tu refous juste des grands murs au-dessus, en vrai, ça va vite. Ça fait beaucoup plus beau, je trouve. Bon, Mais moi, j'ai qu'est-ce pas qu'il encore fait? tout mis en 6. Oh, vas-y, hey, l'oiseau terreur, il casse les couilles, gros. Il se fait attaquer par un ours sinistre. Bah oui, forcément, il se fait défoncer. Ah, Non, mais je te dis, il a dans le failli le Redwood, défoncer. toutes les créatures agressives, tu t'essayes de la tame, elle fait 50 mètres, il y a 4 dinos collés derrière elle, quoi. J'avoue qu'en vrai, par contre, tu peux rien faire tranquille. Hein. Y a forcément un truc qui va te casser les couilles. Moi, j'aimerais bien en avoir un beau de Terror Bird quand même. Parce que c'est facile à tame du coup. J'ai le temps de chercher. En vrai, il y a moyen que t'en trouves un haut niveau comme moi. Ouais, Donc je vais j'avoue. faire Ah oui, ce c'est vrai, site oui, parce mais qu'il est trop aussi abruti un pour haut level. monter. Oh, c'est stylé ça, tu peux aller dans le tronc et tout. Est-ce que l'argent à vie, il peut y aller dans le tronc? Ah oui. Ses ailes arrivent à passer à travers le rondin. Brontosaurus. Hop. J'ai Brontosaurus. quoi d'autre? Galliminus, elle est dans mon. Elle est Ok. dans mon Ouh, encore un armoire à carnot alpha. sel. Et putain, y a que ça, gros. Même pas. Qu'est-ce que j'en ai fait de la selle de Galliminus? Moi, je crois que j'en ai une épique carrément. Alors là, c'est une Hesperornis. Enfin, non, Ichthyornis, je crois en Magnifique. plus. Là, c'est un Donc le gecko. Dimorphodon. Tac. Bon, un Terror Bird, c'est pas le dino le plus rare du Redwood, frérot. Hein. Même un Archéoptéryx, j'ai réussi à en trouver un plus facilement. C'est dégueulasse, mais on s'en branle. Oui, j'aime bien. Ah, oh, y a un Raptor Alias Tech. Tonton Richie. Tonton Richie. Tout le monde connaît Tonton Richie. Tonton Richie. Richie, c'est pas celui T'as qui vu faisait la la danse coupe? là? Ça tape en bas. Ah Ça oui! tape bien. T'as trop la rage! J'ai vu un montage avec Animal Crossing et ça, c'est incroyable. Merde, il n'y a plus de poudre à canon. Je peux pas faire de fléchettes. Ok, on a là. Hop, normalement. Ah, je sais pas en fait si j'ai assez en vrai. Fléchettes. Merde, je suis Ancre même à plus dans le Redwood, 27. donc Ok, qu'est-ce c'est que je bon. fous, hein? Je me barre du Redwood. Oh, y'a un ours Ah, il y a sinistre qui est toujours juste ça qui est là. en train de cuire. Et il niveau combien l'ours sinistre? En plus, il est stylé. Niveau 32, pas mal. Hop. Ah, bah l'ours sinistre, il m'attaque, super. Putain, c'est agressif cette merde, hein, l'ours sinistre, hein? Où Ah bah oui. tu passes dans un rayon Si de c'est 3 mètres ultra de lui, fort. Hein. ouais, par C'est contre, ultra fort. ça a l'air trop fort, hein. Ouais, ça fait tellement de Moi, je l'ai, dégâts. Animal Crossing. Mais moi, Tu sais que. je l'ai tryhardé pendant 3 jours. Oh, le bâtard! Y a-t-il la coléo?
Tu sais qu'au début que j'ai eu mon Spino là, il devait être niveau 40, j'étais en train de le up. Il y a 3 oursinis qui sont arrivés sur moi, ils ont failli me le buter. Ah mon T-Rex, ok, je vais aller un peu l'améliorer lui. Parce qu'il est. Attends, pas bouger. On va piquer la selle à lui. Hop. On va la mettre sur lui. Parce que vu qu'il vient de naître, enfin, qu'il vient d'atteindre son stat adulte. Bah, il y a des raptors qui sont venus laver le Tilacoléo. Par contre, le Tilacoléo, gros, il m'a fait trop peur. Hein. Genre, il est Il y a venu comme son, ça il y a sans gros coup. prévenir. Genre, sans être invité, carrément. Ok, ça arrive, ça arrive. Aïe. Je vais rentrer lui avant. Le Brontosaurus. Il a 3 niveaux disponibles. Hop, on met tout dans le poids. Merde, putain, je suis con. Hop. Sa Wavotiro. selle, elle est énorme. Ah, celle de qui? Du Brontosaure. Ah oui, ouais, t'as vu sa selle. En plus, elle pèse que Il y a 20 un kilos. titan. Ouais, ça, c'est comme les dinoportes. Ouais, les La dinoportes qui truc, pèsent 20 kilos. il faut 800 de pierre, mais quand tu as dans ton inventaire, elle pèse 4 kilos. Il n'y a pas un joli Terrorbird. Mais qui parle en japonais pour dire un Terror Bird. Il y a des Non, c'est un yens gros, il y a des yens malamant. shiny carrément, il y a des yens roses et tout. Alors Ça, Tilacolo, faut c'est des faire très saloperies de attention. merde. Ah, il a que 240 d'énergie, le pauvre. En vrai, les Tilacoléo qui m'attaquent, ils sont inconscients. Ça se voit qu'ils savent pas que j'ai une épée. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un Tilacoléo qui m'attaque, ça fait chier parce que je descends de mon argentavis, mais à chaque fois, ils se font tuer. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont. What? C'est quoi ça là-haut? Mec, je crois que je viens de trouver le Quetzal, attends. Moi je l'ai vu hier. C'est quoi ça là-haut? Il donne pas tant que ça. J'ai l'impression en fait. Comment ça 200 narcoberry frère? J'ai défoncé 10 Dire trucs. que je l'ai rencontré au club manga du lycée. Mais quoi? Bah Bon, mais pourquoi il bah. y a des pteranodons qui volent là? C'est le but d'un terre amoureux. Il y a des pteranodons qui volent, mon gars. C'est quoi ce bordel? Ah mais c'est le pteranodon à Jonas! Mais il y a le pteranodon Jonas qui est en train de voler en l'air. Mais je crois que c'est parce que vu qu'il a quitté en l'air, il est trop con. Bon, on va tuer le Moi j'ai. Terror Bird, hein. Enfin, qui va le tuer, Oui, j'ai voilà. retrouvé un pteranodon niveau 11 tout à l'heure, que du début du jeu je l'ai retrouvé, comme ça. Tu sors Genre ça comme vraiment le as. truc, c'était vraiment au début du jeu. Mais j'étais Ça pas. met fois 124 narcos alors que j'en ai gagné bien plus. Enfin, j'en gagne bien plus. Le truc qui date du Genre là, début du jeu, mais comment tu peux en 210 000. être sûr? Bah parce que je m'en rappelle, je l'avais au tout début. Raptor Alpha. Oh, Lilian, j'ai un T-Rex tech à tame. Vas-y. Ah, j'allais dire, il s'en branle. Ouais, j'allais dire, mais quel connard. Exact, exact. Ah ouais, j'ai tout Terror Bird rasé ou par pas là? contre. Il y avait rien du Il, tout. par contre, il est sur l'île des carnivores. Après, le plus chiant sur l'île des carnivores, c'est de le ramener. Ouais. Parce que en soi, le tame, c'est facile. T'as juste à avoir un argentavis ou un truc et tu montes à chaque fois sur dessus. Mais le plus chiant c'est de le ramener parce que il doit passer l'eau. Et l'eau bah c'est pas gentil. Ouais, mais ça, en vrai, ça peut aller encore, ça. Je pense pas que ça va. Parce J'ai ramené un que stego, moi, dans le l'eau. T-Rex pour passer. Ouais, mais tu dis que t'as ramené un stego la dernière fois que t'as ramené. Je sais plus ce que t'avais ramené la dernière fois. Et t'avais dit oh putain il est mort dans l'eau et tout. Bah non, c'était Non, un c'était. autre Spino, mais il pouvait plus remonter, et puis il y avait des piranhas qui l'attaquaient. Et donc tu vois, tu peux. Peuvent crever. Par contre, j'ai plus de bouffe. Ah si, j'ai des benaïs. Putain, il est énorme quand même le Bronto, frère.
Pourquoi il vient toujours se bugger ici, frère? Arrête. Il est où l'oiseau terreur que je viens de voir? Enfin, que j'avais vu juste avant. Il est plus loin encore. Putain, c'est trop chiant que l'autre rouge il se soit fait tuer parce qu'il était stylé en plus. Je vais les mettre là, comme ça il viendra plus se bugger dedans. Bon, ce n'est point grave. Au plus, je vais choper l'autre. Hein. On est pas un là-bas. Ah, super, on voit rien. Je vais prendre une selle de T-Rex. Ah, tu vas le monter au cas où. Bah ouais, on sait jamais s'il y a une connerie. Mais je vais le faire. Enfin, c'est vraiment cool qu'il y ait une connerie. Hein. Sinon, je vais le mettre en me suivre. Comme ça, il a stamina illimité. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Ah oui. T-Rex. Faut des fibres. J'en ai dans mon inventaire. Ça tombe bien, mon grand. Faut de la peau. Oh, je crois que c'est par là. Je sais pas, à chaque fois je crois voir des oiseaux terrain, mais c'est pas ça, je crois, c'est à chaque fois c'est des bugs. Parce que mon jeu, je l'ai mis en... Oh Lilian, j'ai vu un kangourou tout à l'heure. J'ai mis qu'en épique, peut-être que ça charge. Un protoctondon ou je sais plus quoi là. Ah oui, c'est un kangourou, ouais. C'est le kangourou. En vrai, il est gros, il fait la taille d'un carnot quasiment. Merde. Bah c'est le but dans Ark. En vrai, dans Ark, ils prennent juste des trucs qui existent et ils les font gros. L'Argentavis, je sais pas s'il a existé, mais je pense qu'ils ont juste pris un pigeon, ils l'ont mis en gros et puis voilà. Enfin, un aigle. Parce qu'au bout, un pigeon, c'est moins stylé. Ah, oh, Archaeopteryx qui attaque un compi. Oh, le salaud! Ah non, c'est un Microraptor. Mais comment tu oses? T'es vraiment une sale bête, toi. Tu vas voir quand je vais. Voilà, hop, allez, viens. Allez, viens, viens. Ah non, rigole. Voilà. Niveau combien? Niveau 100! L'Argentavis il se fait attaquer. Pourquoi il se défend pas? Je l'ai mis en passif. Ah oui, j'ai mis en passif. C'était où le... C'était après ça, le Terror Bird. Ah non, c'était là en fait. Bon, lui par contre, faut pas qu'il attaque le Carnot ou de machin ou de bidule. Hein. Attends, il vient de tuer un Carnot? Ok, level 1. De quoi? Bah le Terror Bird, je crois, il a tué un Carnot. Oh putain, ouais, je suis pas rechargé. Putain, ça m'énerve. Vas-y, recharge. Ah, c'est bon, il a rechargé le fusil là. Il est où? Il est où le Terror Bird? What? Mais bon, mais dégage. Vas-y, attaque-moi, attaque-moi. Non, mais attaque pas l'Argentavis, tête de mort. Voilà, voilà, barre-toi, c'est ça. Vas-y, vas-y, barre-toi. Endors-toi. Hop, alors, la viande, tu dois en avoir, toi. Voilà. On veut lui en mettre plus, quand même, on est pas radin. Hop, et hop, voilà. Hop, fais-toi plaisir. Alors c'est bien... Ouais c'est bien de la viande hein. Putain son inconscience elle descend vite à ce bâtard. Hop. Bon, mon perso ça fait 20 fois qu'il... Qu'il recharge le fusil tu sais. Ouais y'a Lilian avec nous. Enfin je crois. Quoi? Ouais, c'est bon Lilian. J'essaie de faire un truc sur PayPal mais comme c'est des gros fils de pute PayPal mais ils veulent pas le faire.
Bon, je vais quand même lui donner des baignoires, hein, parce que... Parce qu'il va se réveiller sinon, mais c'est pas le but. C'est pas le but recherché, en fait. Hop. Le but est snoopy. Ou à bouffer aussi, pourquoi pas. Ah bah oui, ça me dit de faire un compte professionnel. Je fais le compte professionnel, on me la met dans le cul, mon enculé. Excusez-moi les termes, faut les poser. Parce que j'ai reçu 4 euros, je peux même pas les toucher. 4 euros. Je vais s'acheter un sandwich. J'aurais pu m'acheter un abonnement à Noé, wesh. J'avoue. Mec, il se réveille, t'as appelé. T'as gagné combien de moulas là depuis le début? 4 euros. Ah non, depuis le début j'ai 20 balles. Mais genre. Non, mais Noé, pas toi. Hein? Je pense qu'il a gagné 2,50€. Qu'est-ce que ça, WAM? Ouais. Depuis le début. Ou alors t'as pas de monétisation. Depuis le début de Twitch. Ouais. Là, il y a un seuil de. 13€, je crois. 13€, je crois, un truc comme ça. Moi, ça commence à me casser les couilles, PayPal, ça pue sa mire. Non, c'est juste, il faut créer un compte professionnel, quoi. J'ai fait le compte professionnel. Ah. Et? Encore le T-Rex Alpha. Et ils me disent que je peux pas toucher l'argent avant 200 balles, c'est genre trop relou. Ah oui, bah c'est ouais, normal. C'est comme tout, c'est comme TikTok et la monétisation. Non, c'est pas normal. Moi j'aurais pu me faire des couilles en or sur TikTok. j'aurais pu devenir le nouvel Elon Musk, enfin normal, tu vois. C'est bah 500 normal. Balles quoi. 500 balles. Ouais. Ah, avec voilà. Toutes les vues que j'ai fait, frère, en même temps. C'est la bonne époque. Ils disent quoi? Oui, ouais, mais il est mort, de l'argent. Transférer de l'argent à vos amis. Donc vas-y, reviens, il est là. Enfin, reviens. J'aurais. Ils disent quoi? Partager de l'argent à vos amis. Je peux même pas la recevoir. Tu vois, Lilian, le casino que Hippolyte jouait là. Oui. Eh ben, ses sous, ils ont jamais été transférés sur son compte. Après il a mis zéro argent. Mais c'est bien une arnaque le truc en fait. À moins que tu gagnes je sais pas 10 000 ou 1000. Mais sinon c'est bien de la marque. Enfin de l'arnaque je veux dire. Ou alors il a fait de la merde. Je sais rien parce que avec Hippolyte tout est possible. Bah ouais. C'est comme si c'est comme avec mon truc Rocket League là. Ouais j'avoue. C'est quoi ce truc Rocket League? Bah il a fait nimp et il a payé 30 balles sur 40 balles sur un site et il a rien reçu. Si oui, ce serait le genre de mec, tu sais, à aller sur les sites genre hors entrée votre adresse, votre compte et tout et on vous donne 100 V-Bucks ou un truc comme ça, tu sais, genre 1000 V-Bucks. Gratuit. Bien évidemment. Can you bar me? Oh! Dis-toi qu'il y a un mec sur le jeu, il a déforesté toute la map. Il est sur Arc? Bah oui, c'est sûr en vrai. Qu'il y a un mec qui a perdu son temps. Je pense qu'avec la conjonction de coordination, il faut la probabilité. Même si c'est give à un dino ultra cheat qui a stam illimité, ça prend là le temps. Mais surtout c'est que surtout que moi ça respawn. The Forest, hein, Noé. Comme sur The Forest, il y a des gens, les cheat, ils ont rasé toute la map. Oui, j'avoue. Putain, ça me manque les jeux crack là, frère, ça me casse les couilles. Tu sais que j'ai The Forest, hein. On peut y jouer. Ouais, je sais, mais on a recommencé le jeu tellement de fois, ça m'a cassé les couilles. Tout ça à cause de conneries, parce que t'en as un qui givait des trucs ou. T'as l'autre qui voulait. Bah là, on se givra rien, on se givra rien, et puis voilà. Vas-y, bah non, mais nous, je crois que moi, c'est le pire. Tu pourras demander à Lilian combien de fois j'ai recommencé des nouvelles survies. Une fois, j'ai joué. Tu portes ton casque avec les oreilles de chat. Hein? Il y a des coups, on y jouait moi et Lilian. Il y a des coups, on y jouait moi, Hippolyte. Non, je garde toujours une oreille libre pour écouter ce qu'il y a en dehors du casque. Moi c'est pour moi, pas me faire daronner. Ouais c'est ça, c'est ça. Les gros on le fait tous.
Et tu sais que moi je suis habitué à porter un seul écouteur. Vous aussi. Vas-y, nous deux mais j'arrive. Pas pour rentrer, Ça frère. te dérange pas. Mais quoi? Je peux venir si ça te dérange pas. Bah de toute façon là je ramène l'oiseau terreur et je vais finir le live. Hein. Oh bah vas-y, ça Il est niveau combien? Niveau Ah 23. Plus ça race ce Ah truc. ouais. Eh, je le fais bien ou pas? Quoi, l'oiseau terreur? Non. Non, le même là. J'ai pas forcément la référence. Attends, je vais la faire écouter la référence. Ah oui! Ah oui, au bébou! Ah ouais, ça va. Au bébou! Mais j'arrive pas. Au bébou. Mais il faut le faire vraiment proche de son micro, faut limite manger le micro. C'est quand j'aime quand tu portes ton casque avec les oreilles de chat, genre. On va lui Au mettre de l'attaque bébou. côté Horror Bird Hop. Ouais, il faut lui mettre de l'attaque côté Horror Bird. On dirait une Ouais, autruche faut le lui mettre de bordel. l'attaque côté Horror Bird. Je crois que moi, il a pas loin des 400. Horror Bird, gros, c'est une autruche. Tu sais que c'est mon dino le plus level up. Le plus haut level! Ouais, bah 172. Ouais, c'est niveau 25, gros, il pue la race. Je vais lui craft sa selle. Oh bébou. Bah, je crois que j'ai même pas besoin de la craft, j'en ai dans le coffre là. Alors. Celle de Terror Bird, voilà. Insupportable. Ouais, tu fais quoi lui? On va sur quoi après l'équipe? Sur Moi The Forest. j'arrête dans pas longtemps moi. Let's go! Ok, il a pas de poids. J'ai quoi sur moi qui pèse du poids? Rien, donc en gros ils peuvent importer. Le Terror Bird plus sa race, ok? Alors. Voilà, donc là j'ai. Ah, mais j'ai de Hello. la viande putréfiée en fait! Ouais, quoi? Tu vois, j'ai parlé un peu de du coup de commande matérielle genre avec le technicien là. Ouais. Je lui ai dit un peu le PC que j'avais et tout parce que tu vois lui aussi il joue, il a une 3070 et tout. Ouais. Et il m'a dit enfin je lui ai dit ouais, j'ai un i5 non, c'est un Ton combien unique. un 9600K voilà. Hmm. Et il m'a demandé si je l'overclockais, je lui dis non. Mais en fait le 9600K en fait, il attend que ça en fait un peu entre parenthèses d'être overclocké, il est fait pour ça en fait. Oui, parce que le cas c'est overclockable en gros. Ouais, en gros, il m'a dit ouais, tu le payes 50 balles plus cher pour pouvoir l'overclocker, donc si tu l'overclock pas, bah, c'est du gâchis. Aussi, ce que je savais pas, c'est imagine t'as une toi ta carte graphique, elle fait combien? 8 gigas, non? Ouais. Genre si t'as une carte graphique de 8 Go en termes de RAM, il faut que de RAM pardon, il faut que t'aies le double, genre 16 du coup. Moi j'ai 16. Sinon ça tourne pas correctement. Et genre si t'as une grosse carte graphique genre à À 24 2 Go gigas. de RAM, Ouais. il te faut 24 Go, mais bon plus communément t'as 32 quoi. Sinon apparemment ça... Oh mais il y a un Carnotaur Alpha. Hop. Bon, du coup, on va Ouais mais l'amener dans gros, la cage, lui. il y a 4 T-Rex l'un sur l'autre. Il y a 4 T-Rex l'un sur l'autre, carrément. Comment je l'attire moi le. Mais laissez l'Argentavis tranquille. Bon ça le Carno Alpha il est loin en vrai. J'en attaque un, je veux l'attaquer juste lui et je veux voir s'il va me suivre. Là, il Ils sont court l'oiseau tous potes terreur en là. fait. Oui, il sait pas courir le truc. Ils sont tous potes en fait. Au bébou. Non, va pas voir le Carnot Alpha, Hop, viens là. et toi, autre option, activer promenade. Promenade. Et comme ça, il se balade le Promenadique. ref. D'ailleurs, elle est où l'araignée, tiens? Qu'on la voie à la fin. Salut, ça fait longtemps, vous allez bien? Ouais, moi ça va, et toi, Whipton, ça va? Ça va nickel, de manière parfaite. Il n'y a pas l'araignée. Oh Non. putain. Non. Le micro, il est broken. Bah, tant mieux que ça va alors. Mais elle est où l'araignée, par contre, pour Non. Vornoblague, elle est où?
y a le castor. Parce que l'araignée. Bon, là, il y a l'oiseau terreur, hein, normal. Elle est où l'araignée? Demain, c'est les vacances donc. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous t'étais pas en vacances, toi, depuis tout ce temps. Ah, bah oui, c'est vrai. Oui, je vais lécher mon micro, tu vas me dire ce que ça fait. Bah, ça fait juste comme si tu mettais ton doigt sur. Sur un micro. Mais j'ai pas envie de. J'ai pas vraiment envie de savoir ce que le micro endure en ce moment. Hop. Ouais, du coup, les gars, ça va être la fin du live, hein, je crois. Hein. Hop, voilà, les portes sont fermées. Je vais me mettre dans ma petite maison relativement sexy et je vais mettre le petit lacoléo sur le mur. Tu vois, c'est qui Hop. Lilian, Jilcy. Qui ça? Jilcy. Non. Tu sais, le mec qui se fait tout le temps mal, là, dans ses vidéos. Ah oui, moi je vois qui c'est, ouais. Ouais, hier, tu sais que j'ai regardé ses vidéos. Je le connaissais depuis longtemps, mais ça m'a refait m'asseoir et j'étais mort de rire. Comment pas du tout. Surtout quand il va dans... Alors, il s'est arrêté sur une bande d'arrêt d'urgence en voiture, genre avec les cailloux, là. Genre arrêt d'urgence, tu vois. Ouais. Parce qu'il avait soi-disant plus de frein, mais en fait, il avait une bouteille d'eau cristalline sous sa pétale. Du coup, ça lui a niqué toute une soirée pour... il est trop con. Puis j'ai regardé le pire mec dans le métro, gros, il arrive... Il court de toutes ses forces, il se tape dans la porte, c'est un malade. Il est trop oh, c'est trop chiant. C'est trop chiant pour le time, frère, ils sont 10. De quoi, le T-Rex? Bah ouais, mais ils sont 10 à la côté. Il est dur à taille, mais normal. Ils viennent... Non, mais ils viennent tous en même temps, en fait. Ok, là, il s'éloigne un peu du groupe. Au pire, j'attire que lui. Hop là. Bon. Eh ben, c'est la putain de fin du live, let's go. Merci d'être passé, c'était très mignon, très sympa. Demain, c'est du Fall Guys à partir de 4h. À partir de 4h, 16h de l'après-midi. Et ben bam, Fall Guys. Avec certainement Maël, Lilian, Evan, etc. Toute la clique pour du Fall Guys. Bon, peut-être finalement sans Lilian. Et du coup, ce sera... ouais bon ce sera définitivement sans Lilian et du coup ce sera Fall Guys, du coup n'hésitez pas à être là à partir de 4h, je vous attends, on va certainement bien rager, hein, on va pas faire autre chose, on va juste rager je pense, surtout WAM, mais du coup à demain les petits potos, hein, à demain. Putain, c'est chiant, frère. À demain 16h, et d'ici là, n'hésitez pas à commander McDo régulièrement et de manière significative. Regarde, je tire sur un T-Rex, ils se ramènent tous. Infernal. Je sais pas comment je vais. Je me suis trompé de scène encore, comme hier. Bruit doux. Je vois. Ok, nice, y'a plus que lui qui me suit, les deux autres ils sont buggés. Par contre, le scorpion va éviter de me faire chier. Code, je t'aime un petit dino très important envers ma personne. Du coup, on sort l'équipe. Moi, je vais bientôt arrêter, j'ai mes KO mon. Enfin, je le t'aime quand même, au moins. Et ce bruit était nul? Il était doux. T'as Raptor Alpha, non. Bon, en vrai, le T-Rex, il défonce.